premier webinaire de l'enseignement de l'Institut Pasteur et de l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur. Et voilà, nous sommes tous très heureux d'accueillir aujourd'hui Sarah Bonnet qui va nous présenter un webinaire sur l'éthique. Donc nous avons 93 personnes maintenant qui sont connectées. Merci à vous tous et à vous toutes. Et donc, je vais présenter Sarah Bonnet. Donc, euh, nous sommes très heureux de la voir parmi nous aujourd'hui. Sarah Bonnet euh, elle étudie les arthropodes vecteurs depuis plus de 25 ans et elle a publié une centaine d'articles et de chapitres de livres. Elle a commencé ses études universitaires à l'Université de Sciences de Nantes, puis elle a fait un doctorat en parasitologie à l'Université Pierre-et-Marie euh, Pierre Curie pardon, à Paris. Elle a fait son doctorat à l'Institut Pasteur et au Cameroun. Sur la transmission du paludisme de l'homme au moustique. Et elle a travaillé plus particulièrement sur les mesures et les stratégies de blocage potentiel en France. Ensuite, elle a fait son postdoctorat sur un candidat à vaccin du paludisme à l'Institut Pasteur, puis elle a été recrutée à l'INRAE en 2004 pour travailler spécifiquement sur la transmission des agents pathogènes par l'éthique, donc le sujet d'aujourd'hui. Et euh, ensuite, elle est devenue directrice de recherche à l'INRAE. Et récemment, en 2022, elle a rejoint l'unité de Danavash Sakuntabai. Donc, c'est l'unité écologie et émergence des agents pathogènes transmis par les arthropodes. Et elle travaille toujours donc sur les interactions TIC hôte pathogènes et plus spécifiquement sur la salive des et les stratégies de lutte contre les tiques. Elle travaille également sur le potentiel vaccinal de candidats présents dans la salive d'éthique et également sur l'épidémiologie des maladies biotiques qui infectent les humains ou les animaux. Voilà, pour couronner son travail, Sarah Bonnet a remporté le prix Alfred Kastler, décerné par la Fondation LFDA en 2015. Et elle participe à de nombreux panels d'experts sur les arthropodes vecteurs. Au sein de divers comités, notamment à l'ANSES. Elle enseigne dans plusieurs universités et elle co-coordonne le diplôme universitaire Zoonose Lyotique de l'Université Paris 12. Elle est présidente du comité d'éthique en expérimentation animale de l'INRAE de Jouy-en-Josas Agro-ParisTech. Voilà, donc c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous pour ouvrir la saison des webinaires de l'enseignement et des anciens élèves de l'Institut Pasteur. Et donc, je vais lui laisser la parole pendant euh, qu'elle parlera, donc environ dans les 45 minutes, une heure de son exposé. Euh, il n'y aura pas de prise de questions, ce sera à la fin du webinaire. Sarah, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup Clémentine, un grand merci pour, pour cette gentille présentation introduction, et introduction. Un grand merci à vous et à, à l'association des anciens élèves de, de l'Institut Pasteur de me donner aujourd'hui l'opportunité de, de partager avec vous tous. Merci pour votre présence, l'intérêt que je, je porte à ces arthropodes si passionnants que sont l'éthique et qui pendant un certain assez longtemps ont été, on va dire, quelque peu négligés par rapport à, à d'autres arthropodes. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation extrêmement générale hein, sur l'éthique, leur biologie, leur écologie, leur capacité à transmettre des agents pathogènes ou encore les méthodes de lutte que l'on a euh, à notre disposition pour, pour lutter contre l'éthique. Et puis bien sûr, après, je serai à votre disposition, comme l'a dit Clémentine, pour si vous avez des questions euh, plus précises euh, sur le sujet. Donc j'aimerais commencer euh, cet exposé en mentionnant que si aujourd'hui on observe un regain d'intérêt euh, vis-à-vis d'éthique, hein, ce sont pourtant des organismes qui sont extrêmement vieux, puisqu'on date leur apparition sur la Terre à 270 millions d'années environ, et comme vous pouvez le voir ici sur cette image, on a aussi retrouvé euh, des illustrations, des traces de tiques dans des, euh, des hiéroglyphes euh, égyptiens. L'autre chose qu'il est important de savoir aussi, c'est que euh, c'est avec les tics que l'on a démontré la première fois la capacité d'un arthropode vecteur à transmettre un agent pathogène. Et donc c'est quelque chose qui a été réalisé euh, par deux chercheurs euh, américains en 1883, qui ont démontré formellement la transmission d'un parasite Babesia bigemina au bovin par une tique qui s'appelle Ripicéphalus annulatus. Et dernier petit point, en ce qui concerne la maladie de Lyme, qui est un petit peu la maladie emblématique en ce qui concerne l'éthique, hein, notamment, euh, en, surtout enfin, en ce qui concerne pardon la, la santé humaine, il ne s'agit pas là non plus d'une du, maladie récente, a priori, puisque euh, si sa, la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme a été euh, mise en évidence en 1977 aux États-Unis. A priori, cette bactérie serait elle aussi très ancienne hein, puisqu'on en a trouvé, on a trouvé des traces d'ADN euh, de cette bactérie dans une momie qui s'appelle Otsi, qui a été découverte dans les Alpes en 1991 et qui serait âgée de moins 3200 années euh, avant Jésus-Christ. Donc, ces tiques, ce sont des, euh, des arthropodes hein, qui appartiennent à la classe des, des arachnides. Ce sont des acariens ce ne sont pas des insectes. Et euh, à l'heure actuelle, on les différencie en trois grands sous-ordres. Donc, vous avez les arganisa, les Argasina pardon, ou ticmol molles, les nutalielina, que l'on n'évoquera pas du tout aujourd'hui, hein, puisqu'il n'existe qu'une seule espèce au sein de ce genre qui a été mise en évidence, en, qui a été découverte pardon, en Afrique, et qui n'a pas d'importance que ce soit en santé animale ou en santé euh, humaine. Et le troisième grand sous-ordre concerne les Ixodina ou tiques dures. Donc ces tiques regroupent 30 genres différents, je vous en ai mentionné ici en rouge les genres qui vont comprendre des espèces qui sont impliquées dans la transmission d'agents pathogènes, que ce soit aux hommes ou aux animaux, et l'ensemble de ces genres regroupe à l'heure actuelle, puisque comme, comme pour tout autre organisme, à la classification évolue euh, aussi régulièrement, à peu près 900 espèces que l'on va trouver réparties dans le monde. Alors, en ce qui concerne cette répartition mondiale, je vous ai représenté ici assez schématiquement. Hein, il s'agit d'une dominance géographique, comme je l'ai mentionné, des principaux genres de tiques dures que l'on peut trouver dans le monde et qui ont une importance médicale ou vétérinaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va trouver euh, des tiques dures. Euh, avec cette importance médico-vétérinaire à peu près partout dans le monde, avec bien sûr des gens qui vont être plus inféodés aux, euh, aux zones tropicales ou subtropicales, ça va être le cas par exemple des yalomas ou des ambiomas, ou alors des genres qui vont être plus inféodés aux zones tempérées, voire aux froides, comme par exemple le genre Ixodes ou alors le, le genre Dermacentor. Ah, on dirait que j'ai un petit souci pour faire passer mes diapositives. Voilà, pardon. Donc, en ce qui concerne les hôtes des tiques, hein, il faut savoir que ces tiques sont capables de, euh, de se gorger sur tous les vertébrés terrestres. Alors Cela va impliquer des reptiles, des amphibiens, des oiseaux et des mammifères, bien sûr, comme vous le savez, incluant les, euh, les êtres humains. En termes de morphologie, je vous l'ai dit, les tiques sont des acariens hein, ce ne sont pas des insectes. Hein. Donc, on ne va pas retrouver, comme chez les insectes, un corps segmenté en plusieurs parties, avec une tête, un céphalothorax, un thorax ou un abdomen, mais ici un arthropode qui va être de forme beaucoup plus globuleuse et séparé en deux parties. Tout d'abord, le capitulum, euh, que voit, le capitulum ici, qui va porter les pièces buccales que l'on voit ici, et l'idiosome qui lui va porter euh, les pattes. Autre différence au niveau morphologique majeur avec les, avec les insectes, les tiques vont avoir quatre paires de pattes puisque ce sont des arachnides, à l'exception du stade larvaire qui lui va avoir trois paires de pattes, mais les stades nympho et les stades adultes chez les tiques vont avoir quatre paires de pattes. Donc, comme je vous l'ai dit tout au, au début, en, en précisant la, la classification, on va différencier deux euh, grands deux sous-genres chez les tiques les tiques dures et les tiques molles. Et je vous ai représenté schématiquement la morphologie de ces deux grands groupes de tiques ici. Et comme vous allez le voir, il est très facile de différencier, même à l'œil nu, hein, des tiques dures euh, des tiques molles, puisque parmi les principales grandes différences que l'on trouve, c'est la position du capitulum qui porte les pièces buccales, comme je viens de vous dire. Qui va être en position antérieure chez les tiques dures. Donc, quand vous allez pouvoir, quand vous allez regarder une tique sur sa face dorsale, vous allez pouvoir tout à fait observer le capitulum en position antérieure, et ce capitulum va être d'ailleurs très utilisé pour différencier les différents genres et les différentes espèces de tiques. Alors que chez les tiques molles, à droite ici sur la diapositive, ce capitulum est en face ventrale, et vous n'allez pas du tout pouvoir le voir si vous regardez vos tiques sur la face dorsale. Autre, part, autre euh, grosse différence entre les tiques dures et les tiques molles, et c'est de là que vient euh, leur nom. Les tiques dures vont être recouvertes d'une partie chitinisée que l'on appelle le scutum. Donc ici, il s'agit d'une femelle hein, des tiques dures, donc le scutum ne va recouvrir qu'une partie antérieure du corps. Et chez les tiques molles, on ne va pas avoir cette partie chitinisée très euh, dure qui recouvre le corps de la tique, mais un tégument beaucoup plus euh, rugueux, ce qui va permettre de les différencier très facilement. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de tiques dures ou de tiques molles, vous allez avoir trois stades évolutives. La larve, donc comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, qui n'a que trois paires de pattes. Donc outre sa petite taille, elle va être très facile à différencier des autres stades puisqu'elle n'a que trois paires de pattes. Ensuite, la nymphe que vous voyez euh, ici et qui est assez ressemblante de, de la femelle hein, chez les dure. Mais en revanche, comme c'est la femelle qui va s'accoupler et qui va pondre des œufs, en fait, c'est le seul stase qui va avoir un gonopore que vous allez pouvoir voir ici en face ventrale et qui va permettre de différencier la nymphe de la femelle. En plus, la nymphe est bien sûr de taille beaucoup plus petite euh, que la femelle, mais euh, il faut se méfier de ce critère de taille, puisqu'en fait, la taille d'une tique va dépendre de la quantité de sang qu'elle aura pris au stade précédent. Ce qui fait que dans la nature, on va être à même d'observer des nymphes de très grosse taille et des femelles de très petite taille. Donc, il faut faire attention et ne pas se baser uniquement sur ce, ce critère de la taille. Enfin, pour différencier les femelles et les mâles chez les tiques dures, c'est assez simple, puisque pour la quasi-totalité ou la grande majorité des espèces de, de tiques dures, le mâle ne va pas prendre de repas sanguin ou alors un repas sanguin euh, très petit. Et en fait, ces mâles ne vont pas avoir besoin de cette partie extensible que vous voyez rouge ici sur une, une tique ixodes ricinus, qui va permettre à la tique de prendre un repas sanguin extrêmement volumineux, de grossir énormément. Et donc, les mâles ne vont pas avoir besoin de cette partie extensive. Donc, l'ensemble de leur corps, comme vous voyez ici, sont recouverts par cette partie qui ce scutum, ex, scutum extrêmement dur, qui va les protéger, évidemment, des, des agressions euh, extérieures. Donc là, il s'agit de tiques dures. Et en revanche, euh, pour les tiques molles, il n'existe pas de dimorphisme sexuel marqué. Il est extrêmement difficile de différencier des mâles et des femelles euh, chez les tiques molles, contrairement aux tiques dures. Donc l'éthique étant des ectoparasites hématophages, hein, on va s'attarder quelques instants sur la prise du repas sanguin par, euh, par, par l'éthique et en premier lieu par les pièces buccales euh, d'éthique. Donc ces pièces buccales elles sont composées de deux organes que vous pouvez voir ici, l'hypostome qui est représenté ici et les chélicères. Donc comme vous pouvez voir euh, sur ces, euh, ces très jolies photos en microscopie qui ont été faites en collaboration avec l'unité de, de biologie cellulaire des trypanosomes à à l'Institut Pasteur chez Philippe Bastin et par euh, par monsieur Blisnik, cet hypostome quand vous voyez cette image, vous comprenez très bien pourquoi on vous explique que quand vous êtes vous-même piqué par une tique ou que vos animaux sont piqués par une tique, il ne faut pas retirer la tique d'un seul coup, mmh. puisqu'en fait cet hypostome pardon, va fonctionner comme un harpon qui va permettre à la tique de rentrer très facilement euh, dans les tissus de son hôte, mais en revanche et il va être très très difficile de, le, de retirer la tique à cause de cet de cette hypostome, entre autres. Et si vous retirez directement la tique sans utiliser un système de tir tique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, vous risquez de laisser les pièces buccales de la tique dans les tissus de l'autre, sur vous ou sur vos animaux. qui peut générer des infections secondaires ennuyeuses. Donc, au moment de la piqûre, en fait, la tique va utiliser ses calicères que vous voyez donc ici et qui correspondent un peu à une gaine qui va protéger l'hypostome et qui vont agir comme une sorte de scie pour dilacérer les, les tissus de l'hôte au moment de la piqûre et permettre la pénétration passive de l'hypostome à l'intérieur des euh, tissus de l'hôte. Ensuite, pour renforcer son ancrage, la tique va faire rentrer ses calicères en turgescence. Et cet ancrage va être bien sûr plus ou moins long ou plus ou moins solide suivant euh, les espèces de tiques et suivant la durée de, de leur repas sanguin, on, on y reviendra. Mais quelles que soient les espèces, de toute façon, ces repas vont être longs et volumineux. Et quand je dis volumineux, c'est vraiment volumineux puisque vous avez ici l'exemple d'une Ixodes ricinus. Euh, les photos sont, ont été prises et sont présentées ici à l'échelle hein, d'une femelle Ixodes ricinus avant et après gorgement car certaines espèces de tiques sont capables de multiplier leur poids par 100 à la suite du repas sanguin. Et autre petit détail, hein, les tiques euh, sont des hématophages stricts. Ça, c'est une différence par exemple avec les moustiques hein, qui vont être capables de se, se nourrir de, de jus sucré. Les tiques, elles, se nourrissent uniquement de sang et pas du tout d'autre chose. Donc venons-en maintenant à parler un petit peu du tube digestif des tiques, hein, puisqu'on aborde le, le repas sanguin de ces tiques. Je vous ai représenté sur ces euh, schématiquement ici l'anatomie, donc les organes internes de la tique. Donc à gauche, vous avez les tiques molles, à droite les tiques dures. Donc ce que vous pouvez déjà remarquer euh, en premier lieu, c'est que autant nous avons des différences morphologiques à l'extérieur entre triches molles et tiques dures, au niveau anatomique, il n'y a pas de, de différence flagrante entre les... Euh, entre les deux grandes familles de tiques. Donc, ce que l'on peut remarquer tout de suite, c'est que cet appareil digestif, il est extrêmement développé chez les tiques. Il prend énormément de place dans le, dans le corps de la tique. Et une des raisons est probablement le fait que c'est aussi une différence notable avec les moustiques. La digestion du sang ne va pas se faire dans la lumière du tube digestif, mais on a ici une digestion intracellulaire qui va se faire dans les cellules de l'épithélium digestif, de la nécessité certainement d'avoir... Un tube digestif et un épithélium extrêmement, euh, extrêmement développé. Autre différence avec beaucoup d'autres arthropodes hématophages aussi, dans ce cas-là, ici, chez les tiques, il n'y a pas de canaux alimentaires et salivaires qui soient différenciés. Et on y reviendra un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Donc, euh, au moment de la prise de, du repas sanguin, la tique va donc absorber du sang, mais elle va aussi injecter de la salive. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et euh, vous l'aurez compris dans la présentation qu'a fait Clémentine, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je ne suis pas la seule, hein. la salive des tiques. Et cette salive des tiques, elle va être sécrétée par euh, les glandes salivaires de la tique. Donc ici, j'ai coupé les, les tiques en deux pour que vous puissiez voir tous les organes, mais ces glandes salivaires, il s'agit d'une paire de glandes salivaires. Hein. On a une glande salivaire de chaque côté du, du, corps de, du corps de la tique. Quand on réalise des dissections de tiques, vous pouvez voir ici, donc en A, vous avez une, une, une tique dure, c'est une ixodes ricinus. Je vous parlerai beaucoup d'ixodes ricinus au cours de, de cet exposé, d'une part parce que c'est l'espèce de tique sur laquelle je travaille le plus, que je connais le mieux, et aussi parce qu'on y reviendra. C'est l'espèce qui pose le plus de problèmes chez nous en, en Europe et en France. Donc ici, on a enlevé la carapace si on veut de, de la tique. Et ce que vous pouvez apercevoir, c'est le tube digestif ici en noir. Et quand on le retire, vous voyez ces deux masses blanches correspondent aux glandes salivaires de la tique qui sont ici euh, photographiées euh, ici à la loupe et ici au microscope. Donc ces glandes salivaires, elles sont composées d'un certain nombre de, de cellules hein, qu'on appelle les, les acini. Il y a plusieurs types d'acini différents dans les glandes salivaires de tique hein, qui ont des fonctions différentes. Et une des principales fonctions des glandes salivaires des tiques, ça va être comme chez tous les arthropodes hématophages, hein, l'émission de salive. Et cette salive, comme je vous le disais précédemment, elle est absolument indispensable aux tiques pour prendre leur repas sanguin puisqu'elle va comprendre tout un tas d'éléments euh, qui sont extrêmement importants et qui lui permettent de se nourrir euh, correctement. On va avoir des éléments cytolytiques qui vont permettre de détruire les tissus euh, de l'hôte au moment de la piqûre, des substances vasodilatatrices pour augmenter l'afflux de sang euh, que la tique euh, va prendre pendant son repas, des substances anticoagulantes extrêmement importantes, puisque si on a le moindre phénomène de coagulation, bien sûr la tique ne pourra plus se nourrir, et si vous avez déjà été piqué par une tique, vous l'avez peut-être remarqué, on ne sent absolument rien. Et si on ne sent pas la piqûre de tique, c'est parce que justement dans cette salive, il y a un certain nombre de substances qui sont antidouleurs, anti-inflammatoires et aussi immunosuppressives. Donc, je vous le disais, tous ces éléments sont indispensables à la tique pour prélever le sang dont elle a besoin pour se nourrir. Et c'est aussi par cette voie, la salive, que sont transmis la grande majorité des agents pathogènes par les tiques. Et cette salive va permettre de créer à l'endroit de la piqûre un micro-environnement immunosupprimé, en fait, ce qui va bien sûr faciliter la transmission euh, des agents pathogènes. Mais chez les tiques, cette salive a aussi d'autres fonctions qui leur sont propres. Euh, cette, ces glandes salivaires, excusez-moi, a d'autres fonctions qui leur, sont, euh, qui leur sont propres outre l'émission de salive, qui correspondent à la synthèse de substances hygroscopiques. Hein. Il faut savoir que les tiques sont des organismes qui sont capables de de résister à des températures très hautes et aussi à des températures très basses mais en revanche, elles sont très sensibles à la dissécation et au manque, euh, manque euh, d'humidité et donc les glandes salivaires sont là pour synthétiser des substances qui vont permettre à la tique de capter l'humidité qui est présente dans l'air quelque chose qui est aussi spécifique des tiques et ici uniquement pour les, euh, les tiques dures, est l'implication de ces glandes salivaires dans l'évacuation de l'eau en excès dans le repas sanguin donc Je voulais l'ai déjà évoqué, hein, ces tiques, et vous le savez certainement euh, aussi déjà, les tiques vont prendre des repas sanguins qui sont extrêmement euh, volumineux. Mais en plus de ça, au fur et à mesure du repas sanguin, elles vont concentrer les nutriments dont elles, a besoin, dont elles ont besoin, pardon, et en évacuant ce qui ne va pas leur servir. Donc ça sous-entend que tout autant au long du repas sanguin, elles vont d'une part évacuer euh, des fesses, mais aussi réinjecter dans l'hôte l'eau qui est en excès dans son repas sanguin dont elle n'a pas besoin et c'est quelque chose qui va se faire par le biais des glandes salivaires chez les tiques dures et enfin dernière fonction de ces glandes salivaires c'est la sécrétion du sément. donc le sémen c'est une sorte de glu en fait qui va permettre à la, à la tique de renforcer son ancrage sur son hôte hein. il faut réaliser quand une tique va piquer par exemple un, un animal sauvage comme un cervidé dans la forêt, qu'elle reste sur cet animal, sur ce cervidé pendant une, plus d'une dizaine de jours. Il faut qu'elle soit quand même accrochée extrêmement fermement pour ne pas être arrachée par la, la végétation quand l'animal va courir ou alors éventuellement quand il va se gratter, d'où un ancrage extrêmement puissant à son hôte. Donc je vous mentionnais ce phénomène d'excrétion de l'eau en excès dans le repas sanguin au cours du processus de prise. Euh, du repas euh, par les tiques chez les tiques dures. Et je vous l'ai dit, c'est différent chez les tiques molles. Chez les tiques molles, il existe un organe très particulier qu'on appelle les glandes coxales, qui vont être responsables de l'évacuation de cette eau en excès. Et vous pouvez très bien voir sur cette photographie les petites bulles d'eau que l'on voit aussi, qui sont euh, excrétées par les glandes coxales. Et euh, ce phénomène est assez important chez les molles parce que c'est par ce biais-là que vont être transmis certains agents pathogènes, notamment des bactéries qui appartiennent au genre Borrelia, mais qui ne sont pas responsables de maladie de Lyme, mais de fièvre de récurrente. Donc, euh, si l'on résume cette prise de repas sanguin sur la, la représentation que je vous propose ici, hein, comme je vous le disais, tout au long du repas sanguin, la tique va absorber du sang et injecter de la salive de façon alternative puisqu'il n'y a pas de canal euh, salivaire et alimentaire différencié. Ça va se faire par le même canal. Et les tiques sont qualifiées de thalmophages. Ça, c'est une autre différence majeure aussi dans le... Le, le processus de, de gorgement si on compare aux moustiques par exemple, et euh, en revanche c'est un, un système de nutrition que l'on voit chez les phlébotomes euh, aussi, et ça sous-entend que les tiques au moment où elles vont prendre le repas sanguin, elles vont créer un micro-hématome dans la peau, dans le derme de leur hôte, et elles vont prélever en fait tous les fluides qui sont présents à l'intérieur de ce microhématome hématome donc, quand je vous parle de repas sanguin, c'est un petit peu un abus de langage, puisqu'en fait, tous les fluides présents dans ce micro-hématome vont être prélevés euh, par la tique. Et ça a son importance en termes de transmission euh, d'agents pathogènes, puisque ça sous-entend que les tiques vont être capables d'acquérir et de transmettre non seulement des agents pathogènes euh, sanguins, mais aussi des agents pathogènes présents dans le derme ou dans la lymphe de, de leurs hôtes. Donc juste quelques petits mots maintenant sur un organe très particulier qui n'appartient qu'aux tiques, hein, qui, euh, qui correspond à ce qu'on appelle leur, à l'organe de Haller, Donc vous avez euh, que vous voyez très bien ici sur ces, ces photos en microscopique, c'est un organe sensoriel euh, que l'on trouve, euh, qui se trouve à l'extrémité de la première paire de pattes des tiques et euh, qui vous explique pourquoi quand vous voyez des tiques à l'affût euh, dans la nature sur la végétation, elles sont en train de d'agiter comme ça leur première paire de pattes, hein, c'est parce que cet organe de halère qui leur permet de repérer les autres est présent sur cette première paire de pattes. Donc cet organe de halère, il va être capable de détecter la présence de CO2 que l'on émet, que les animaux émettent quand ils respirent, la présence de chaleur que l'on va dégager aussi. Et aussi, on a montré assez récemment que cet organe de halère va permettre au TIC de, euh, de se rendre compte d'une modification de la lumière. Quand un hôte va passer devant le soleil, par exemple, grâce à cet organe de alerte, elle va pouvoir le repérer en repérant l'ombre qui est créée par le passage de, de cet hôte. Donc, venons-en maintenant à une partie qui est extrêmement euh, importante hein, quand on s'intéresse au TIC, quand on veut travailler sur une maladie qui est liée au TIC. Qui correspond au cycle biologie d'éthique, parce que bien évidemment, du nombre et de la nature des autres d'éthique vont dépendre l'apparition et la diffusion potentielle d'une maladie liée à ces vecteurs. Donc, chez l'éthique, on différencie euh, plusieurs sortes de cycles. Pour l'éthique molle, on va avoir des cycles que l'on appelle polyphasiques, puisqu'ils vont faire intervenir plusieurs autres différents. Et chez les tigres, on va différencier euh, trois cycles différents. Des cycles que l'on dit monophasiques parce qu'ils ne feront intervenir qu'un seul, qu seul hôte, c'est-à-dire que les tigres vont faire la totalité de leur cycle larve, nymphe, adulte sur le même hôte vertébré. Ou alors, on va avoir des cycles diphasiques qui vont faire obtenir, euh, intervenir pardon, deux hôtes différents. La larve et la nymphe vont se se gorger sur le même hôte, puis la nymphe va se laisser tomber au sol, se transformer en adulte qui va chercher un second hôte qui interviendra dans le cycle, ou alors des cycles triphasiques qui ont fait intervenir trois hôtes différents pour chacun euh, des stades euh, de la tige, larve, nymphe et adulte. Donc évidemment, ça va correspondre aux cycles les plus difficiles à réaliser pour les tiques, hein, parce qu'il va falloir qu'elles trouvent trois hôtes différents à chaque fois pour chacun de... De ces cycles, mais ce cycle triphasique correspond à plus de 80 des espèces de tiques qui vont être impliquées dans la transmission d'un agent pathogène. Donc, on a déjà évoqué des différences, euh, notamment morphologiques, entre les tiques molles et, et les tiques dures, et on va aussi avoir des différences très importantes en ce qui concerne euh, l'écologie et les cycles biologiques de ces deux grandes familles de tiques. Donc, en ce qui concerne les, euh, les tiques dures hein, à, gauche, euh, à gauche de, de l'écran, euh, ces tiques vont avoir tendance à vivre dans des, euh, des milieux plutôt ouverts, euh, comme on peut voir ici, des espaces de forêt ou alors de, de savane, ce qui va être très différent des tiques molles que l'on a qualifiées de, de nidicoles, hein, qui vont plutôt vivre euh, dans des espaces abrités, comme des nids, des terriers ou des infractuosités des, euh, des murs, par exemple. Au niveau des cycles biologiques. Hein, euh, la principale différence euh, d'importance, c'est que politique dure, on va avoir un seul repas par stase. Donc pour la stase larvaire, la stase nymphale, la stase adulte, l'éthique ne vont prendre qu'un seul repas. Comme je vous le disais précédemment, se détacher ou non de son hôte suivant, euh, qu'il s'agisse d'un cycle monophasique, diphasique ou, ou triphasique, très, très hein. Mais elles vont prendre à chaque fois un seul repas sanguin et se transformer dans le stade suivant, et pour la, ou pour la femelle, pardon, pondre des œufs, eux dont euh, vont émerger ensuite euh, les larves. Alors que chez les molles, on va avoir des cycles très différents. Si on commence ici à partir de la larve hein, qui va émerger des œufs, comme vous pouvez voir ici, on va avoir plusieurs stades nymphaux. La nymphe va être capable de se gorger plusieurs fois avant de se transformer en adulte. Et on n'a pas entre chaque stade, stade nymphal, pardon, de différence fondamentale, hein, on va pas avoir de métamorphose, ça correspond en fait juste un peu à une augmentation de taille et une fois que la tique va avoir atteint la taille souhaitée, elle va se transformer en adulte mâle ou femelle. Et de la même façon que la nymphe, la femelle adulte va être capable de prendre plusieurs repas sanguins successifs et de pondre des œufs après chacun de, de ces repas. Donc, on a évoqué le fait que les tiques dures avaient en général des, des habitats plutôt ouverts, alors que les tiques molles en fait vont plutôt vivre dans des habitats abrités proches de leur hôte. Et euh, cette, cette, cette écologie va générer en fait euh, des différences en ce qui concerne le tropisme d'hôte aussi, ou en tout du moins va être en lien avec le tropisme d'hôte. Alors, ce qu'on appelle le tropisme d'hôte concerne les espèces animales sur les tiques sur lesquelles les tiques vont préférentiellement se se gorger. Et on a tendance à dire que les plutôt un tropisme d'hôte marqué, puisque évidemment, ça va faciliter leur cycle au cours duquel elles ont besoin de prendre plusieurs repas sanguins euh, au cours de, de, chaque, de chaque stase. Hein. Donc, elles vivent du coup à proximité de leur hôte c'est beaucoup plus facile pour elles. Elles prennent plusieurs repas sanguins et, du coup, en général, toujours sur le même hôte. Ça va être très différent chez les tiques dures, qui sont plutôt généralistes et qui vont plutôt avoir tendance à se gorger sur différentes espèces euh, animales. Donc ce tropisme d'hôtes, évidemment, il va dépendre de l'espèce. Hein. Vous allez avoir des espèces de tiques, comme je viens de le dire, qui vont être très généralistes, avec des préférences trophiques très larges, qui vont pouvoir se gorger sur un panel d'animaux très, très différents. Ça va être le cas guillaume Ibrahim, par exemple, ou d'Ixodestricinus chez nous. Et comme toujours, il y a bien sûr des exceptions, puisque je vous ai dit que les tiques dures avaient un tropisme euh, d'hôte plutôt large, mais on a aussi chez les tiques dures des espèces qui ont des préférences trophiques strictes. Ça va être le cas, par exemple, de Répicéphalus sanguineus, qui est ce qu'on appelle la tique du chien, qui va quasiment exclusivement euh, se gorger sur les chiens. Donc ce tropisme d'hôte, il va aussi varier en fonction du stade euh, de la tique. Hein, pour euh, différentes raisons. La première étant, vous vous souvenez, je vous ai dit que les tiques étaient très sensibles à les dissécation. Donc, pour les espèces de tiques qui vont chercher leur hôte, comme on dit, à l'affût en se mettant sur la végétation, elles vont avoir besoin très régulièrement de redescendre au niveau du sol pour quelque part recharger euh, leur batterie en, en nudité. C'est pour ça qu'on ne va jamais trouver de tiques dans les arbres. Les tiques ne tombent pas des arbres. Hein. C'est une, une légende urbaine. Euh, dans un arbre, ce serait beaucoup trop sec pour elles. Elles ne survivraient pas. Et donc, les larves vont être beaucoup plus sensibles à la dissécation que les nymphes et que les nymphes vont l'être aussi beaucoup plus que les adultes, ce qui fait que les adultes vont être capables d'être en quête d'un hôte beaucoup plus haut sur la végétation que les nymphes et que les larves. Et bien sûr, cette hauteur sur la végétation va influer sur le, les hôtes, les espèces hôtes sur lesquelles elles vont se gorger. Un, une autre chose qui va aussi euh, influer sur euh, les hôtes sur lesquels les tiques vont se, se gorger, et la longueur de leur pièce buccales qui va leur permettre de traverser une peau plus ou moins épaisse. Donc, bien évidemment, les larves vont avoir des pièces buccales plus petites, donc elles vont se gorger sur des animaux qui vont avoir des peaux plus fines. Et ceci va aussi influer sur l'endroit du corps euh, des animaux sur les, où les tiques vont pouvoir euh, se gorger. Donc, ces tiques, elles vont bien sûr avoir des, des variations d'activité hein, qui vont varier suivant les endroits du monde. Euh, où on se trouve suivant les espèces dont on parle. Et pour illustrer ça, je vous ai mis l'exemple d'Ixodes ricinus en, en Europe centrale. Donc ici, c'est un travail qui a été fait au, au nord de l'Angleterre et en Écosse. Et vous voyez que donc sous nos, nos latitudes, hein, c'est à peu près les profils qu'on a ici, au, ici aussi en France. On va avoir un pic d'activité euh, assez important au printemps. Au moment de l'été, cela devient un peu trop chaud, un peu trop sec pour les tiques. Donc, elles vont se, se protéger, se mettre en diapose dans des endroits où elles pourront survivre. Et on va observer un second pic d'activité au cours de, de l'automne. Ces variations d'activité, on va aussi les observer au cours de la journée, hein, parce que les tiques sont extrêmement dépendantes en termes d'activité. Elles sont très, très dépendantes de la météo, donc, euh, évidemment, euh, leur activité ne va pas être homogène tout au long d'une journée. Vous avez ici l'exemple des tics Xodescapularis au cours de, de la journée aux, aux États-Unis. Et bien sûr, cette activité va varier en fonction de la période de l'année dont on parle. Hein, avec, par exemple, ici au mois de décembre, on voit que les tiques vont être actives toute la journée, alors qu'au euh, printemps, on va avoir un pic d'activité plutôt euh, sur la, la, fin de, la fin de la journée. Alors venons-en maintenant à euh, une partie évidemment extrêmement importante aussi, hein, qui explique le pourquoi on s'intéresse euh, euh, aux TIC et le fait qu'elles ont un pouvoir pathogène, à la fois direct comme on va le voir, et aussi un pouvoir pathogène en tant que vecteur euh, d'agents pathogènes. Donc, un pouvoir pathogène direct, effectivement, puisque les tiques sont des octoparasites. Hein, donc, du simple fait de leur piqûre, elles vont être responsables d'un certain nombre de nuisances, comme par exemple des inflammations locales avec une surinfection des plaies, puisque. Euh, les tiques sont quand même des, des, des organismes assez, euh, assez gros hein, avec des rostres qui font quand même une certaine taille et qui occasionnent des plaies au moment de, de la piqûre je vous ai parlé de la dilatation des, des tissus par les, les chélicères hein, pour la pénétration de, des pièces buccales de, dans l'hôte donc on peut avoir des problèmes de surinfection des plaies qui sont provoquées par la piqûre de tique on l'a vu, les tics sont capables de prendre des repas sanguins extrêmement volumineux. Hein. On a des espèces tropicales qui vont être capables de prendre jusqu'à 20 ml de sang. Donc vous imaginez bien que sur des animaux de petite taille, on peut très bien avoir des problèmes très importants de spoliation sanguine et d'anémie avec tous les côtés néfastes qui résultent de, de ces problèmes d'anémie. Pour certaines espèces de tiques et en raison de certaines toxines euh, présentes dans leur salive, on va aussi observer des, des phénomènes de paralysie atique ou alors de toxicose. Et enfin, comme avec euh, l'ensemble des arthropodes hématophages, chez certaines personnes, on peut aussi avoir des, des problèmes liés à des allergies euh, à la salive de tics. Mais bien évidemment, ce pourquoi les tiques nous posent surtout problème, c'est en raison de leur rôle de vecteur d'agents pathogènes et vous le savez les tiques sont capables de transmettre des agents pathogènes à la fois à l'homme et à la fois aux animaux et lorsque les maladies sont partagées entre les hommes et les animaux on va parler de zoonose donc quelque chose qui est très important de, de savoir et de garder à l'esprit est le fait qu'il n'existe pas d'espèce de tique qui soit spécifique de l'être humain ça sous-entend que d'une part, l'être humain va toujours se contaminer quand il va rentrer dans le biotope d'éthique. Et en ce qui concerne les maladies liotiques que l'on va avoir chez l'être humain, elles vont toujours avoir un réservoir animal. L'autre chose qu'il faut savoir aussi est le fait que les tiques sont capables de transmettre la plus grande variété d'agents pathogènes, ce qui va impliquer des virus, des bactéries, des parasites et aussi des helmates que ce sont les premiers vecteurs de l'hémisphère nord, que l'on parle de santé humaine ou de santé vétérinaire et qu'au niveau mondial, ce sont les premiers vecteurs pour la santé animale, quand ce sont les seconds, bien sûr, après les moustiques en ce qui concerne la santé humaine. Donc je vous rappelle ici très rapidement ce qu'est la définition d'un vecteur. Hein. On appelle vecteur un arthropode hématophage qui assure la transmission active. Donc transmission active, ça sous-entend qu'en l'absence de vecteur, on n'aura pas de transmission euh, de la maladie, de, de l'agent infectieux, pardon, d'un vertébré à un autre euh, vertébré. Et les tiques, donc, ce sont effectivement d'excellents vecteurs en, en raison d'un certain nombre de raisons qui sont inhérentes à leur, à leur biologie. Tout d'abord, on l'a vu. Elles prennent des repas qui sont très longs et très volumineux. Donc, évidemment, ça va augmenter la probabilité d'acquérir et de transmettre des, euh, des agents pathogènes. Pour énormément d'espèces, ce sont des espèces qui sont capables de parasiter euh, beaucoup d'animaux différents, hein, ce qui va permettre une circulation absolument formidable des agents pathogènes entre différentes espèces animales et favoriser des phénomènes qu'on appelle spillover en anglais ou franchissement de barrières d'espèces en français, qui sont le, peuvent être à l'origine d'émergences de, de maladies euh, dramatiques. Ces tiques, elles ont une très grande longévité. On sait que certaines tiques molles, par exemple, sont capables de, euh, de vivre pendant une trentaine d'années sans prendre le moins de repas sanguin, juste en diapose, en économisant leur énergie et en attendant euh, la présence d'un nouvel hôte. Donc évidemment, elles vont correspondre à des vrais réservoirs euh, d'agents pathogènes dans la nature puisqu'elles vont pouvoir conserver et maintenir ces agents pathogènes dans la nature pendant euh, de nombreuses années. Donc, la dispersion d'un vecteur, c'est quelque chose qui est très, très important euh, en ce qui concerne l'épidémiologie des, euh, des maladies vectorielles. Et là, on est donc face à un vecteur qui ne vole pas, comme vous le savez, et qui, de par lui-même, ne va pas avoir une aire de dispersion très importante. En revanche, les tiques vont être capables d'être dispersés sur de très longues distances par le biais de leur hôte. Parce que vous pouvez bien imaginer le nombre de kilomètres qu'une tique va être capable euh, de parcourir quand elle s'accroche, par exemple, pendant ses 12 jours de gorgement sur un oiseau migrateur. Et c'est pour ça qu'on va avoir très régulièrement, par exemple, en Europe, des introductions de tiques tropicales qui peuvent venir du, euh, du continent euh, africain, ce qui ne suppose pas forcément que les tiques vont s'installer, mais elles arrivent euh, par ce biais-là. Enfin, on l'a évoqué, hein, les tiques. Pour beaucoup d'entre elles. elles, ont des cycles, de, des cycles de vie assez compliqués, hein, notamment les. Les, les tiques euh, triphasiques qui vont être obligées de retrouver un nouvel hôte pour un repas sanguin à chacun de leurs stades. On a une mortalité très élevée, notamment au niveau des œufs et, et des larves, mais elles ont un très haut potentiel reproductif. Elles pondent énormément d'œufs, des milliers pour les tiques dures, des, des, des centaines pour les tiques molles, puisque les tiques molles vont faire plusieurs pontes. Donc, on continue bien évidemment à avoir beaucoup de tiques euh, dans la nature. Alors, quelque chose qui pourrait paraître anodin, mais qui ne l'est pas, hein, et le fait que chez l'éthique, au moment de la métamorphose de larves en nymphes et de nymphes en adultes, on a des remaniements qui sont relativement limités. Si vous pensez par exemple à une chenille qui va se transformer en, en papillon, cette métamorphose, en fait, elle va passer par un phénomène de lise quasi complète de l'ensemble des tissus euh, internes de, de l'arthropode. Et ça ne se produit pas du tout ici. Donc, bien sûr, ça va euh, bénéficier aux agents pathogènes, ça va les préserver au moment de euh, la transformation de la tique dans, dans le stade suivant. Enfin, un dernier point qui est très important, surtout en, en santé euh, humaine, est le fait que la piqûre passe inaperçue. Quand vous êtes piqué par une tique, on l'a dit, vous ne sentez rien. Donc, ça lui laisse largement le temps de transmettre des, euh, des agents pathogènes. Donc, si on reprend le petit schéma que je vous ai proposé tout à l'heure, en y incluant un agent pathogène que j'ai représenté ici en, en rouge, la tique va acquérir l'agent pathogène lorsqu'elle va prendre un repas sanguin sur un hôte infecté. Cet agent pathogène va se retrouver dans le tube digestif de la tique. Et si la tique est à même euh, de le transmettre, cet agent pathogène va s'échapper du tube digestif et envahir un certain nombre d'organes, dont les glandes salivaires, et sera retransmis à un nouvel hôte à la faveur d'un nouveau repas sanguin que pourra prendre la tique. Alors, cette transmission d'agents pathogènes, fort heureusement pour nous, ça nous donne une petite fenêtre d'action en ce qui concerne les bactéries et les parasites. Cette transmission n'est pas immédiate. Elle se fait quelques heures ou jours après la fixation des tiques, mais malheureusement pour les virus, la transmission est immédiate au moment où la, où la tique va se fixer sur son hôte. Mais il faut néanmoins garder à l'esprit d'une part que toutes les tiques ne sont pas infectées, hein, que toutes les tiques ne vont pas transmettre les mêmes agents pathogènes. Hein. Il y a une compétence vectorielle qui existe pour telle ou telle espèce de tique vis-à-vis -vis de tel ou tel euh, agent pathogène et que la transmission d'un agent pathogène d'une tique infectée ne va pas non plus être systématique. Et fort heureusement pour nous, nous avons aussi un système immunitaire hein, qui qui euh, peut tout à fait combattre les agents pathogènes et on ne va pas non plus forcément développer une maladie lorsque l'on est piqué par une tique infectée par un agent pathogène. Donc je voudrais juste vous illustrer cette transmission d'agents pathogènes en prenant un exemple, hein, qui est l'exemple d'Ixodes ricinus, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la tique la plus abondante et la plus répandue en Europe de l'Ouest, celle qui nous pose le plus de problèmes, il s'agit d'une tique dure. Hein. Cette tique, elle est capable de se gorger sur plus de 300 hôtes différents. Elle pique très fréquemment euh, l'être humain et elle est capable de transmettre des virus, des bactéries et des parasites. Donc, c'est une, une tique triphasique qui va donc se gorger euh, sur trois hôtes différents. Si on commence le cycle de la tique ici avec la larve, cette larve va trouver un hôte en général de petite taille. Elle va prendre son repas sanguin, se laisser tomber au sol. En trois à quatre mois, elle va se transformer dans un endroit où elle est à l'abri en nain. Cette nain va devoir chercher un nouvel hôte, qui est en général un petit peu plus gros que, celle de la larve, que ceux de la larve. Pardon. À la fin de son repas sanguin, elle va se lâcher au sol, se transformer en adulte, mâle ou femelle. Ces adultes vont devoir trouver un nouvel hôte. L'accouplement va avoir lieu avant ou après la prise de repas sanguin par la femelle, qui va prendre son repas sanguin, pondre des œufs et le cycle va pouvoir recommencer. Donc, il s'agit là d'un cycle triphasique. Et pour Ixodes Ricinus, il s'agit aussi d'un cycle que l'on dit trixène, ce qui veut dire qu'à chaque stase, on peut intervenir un hôte d'une une espèce animale différente. Donc, comme je vous l'ai dit, cette espèce de tique est capable de transmettre beaucoup d'agents pathogènes, parmi lesquels on va trouver des bactéries, la plus connue étant évidemment Borilla burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Mais elle transmet aussi des parasites, comme par exemple Babesia divergence, qu'on va évoquer un petit peu, un petit peu après et aussi des virus comme par exemple le virus de l'encéphalitatique. Donc, on va prendre ces trois agents pathogènes pour vous illustrer les différents modes de transmission qu'il peut exister au sein des, des populations de, de tiques, en commençant par donc, Borrelia burgdorferi, qui est une, une bactérie spiroquette. Vous pouvez voir ici la forme un petit peu spiralée qu'elle a. C'est une bactérie qui est transmise par des tics qui appartiennent au genre Ixodes. Elle euh, a des gens de, au genre Ixodes et donc avec des espèces qui vont être différentes, qu'il s'agisse de l'Europe ou du continent euh, américain, comme vous pouvez le voir euh, ici. Et parmi les principales espèces qui sont euh, dommageables pour l'homme et qui vont être responsables de, de la maladie de Lyme, on va trouver Borrelia burgdorferis sensu stricto, hein, dont le, le, le réservoir sont des, euh, des petits rongeurs. Borrelia garini avec un réservoir qui va être des oiseaux et Borrelia afzelii en Europe dont euh, le réservoir correspond à, à des rongeurs. Donc, je viens de vous le dire, cette bactérie est responsable de la maladie de Lyme. Hein, donc, je ne m'étendrai pas sur la maladie ici. Hein, ce n'est pas du tout mon propos. Cet exposé vise juste à parler de, de la transmission vectorielle par, euh, par l'éthique. Mais donc, juste quelques mots. Donc, il s'agit là de la première maladie vectorielle de, de l'hémisphère nord. Le premier signe clinique de la borreliose de Lyme, qui malheureusement n'apparaît pas dans, dans tous les cas, est l'éritène migrance, hein, qui correspond à cette tache rouge, qui va aller en s'élargissant à partir de l'endroit de, de la piqûre de, de la tique, euh, s'élargissant de façon centrifuge. Et cette maladie va être responsable de symptômes à la fois neurologiques, arthritiques et, et cutanés, et peut se traiter à l'aide d'antibiotiques. Donc, En ce qui concerne la, la transmission de cette bactérie, qui est ce qui, est, qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, la larve ou la nymphe vont pouvoir acquérir la bactérie Borrelia lorsqu'elles vont prendre un repas sanguin sur un hôte infecté qui sera, par exemple, ici, un rongeur. Puis la larve va transmettre au moment de sa transformation en nymphe. Cette bactérie va être transmise de la larve à la nymphe et elle pourra aussi être transmise de la nymphe à l'adulte au moment de la métamorphose de la nymphe en, en adulte. Donc c'est ce qu'on va appeler la transmission transstadiale d'un stade de tique à l'autre et c'est au moment du repas sanguin du stade suivant donc ici éventuellement la nymphe ou alors l'adulte que la tique va être à même de retransmettre la bactérie à un nouvel hôte à la faveur d'un nouveau repas sanguin. Donc on aura dans le cas de cet exemple-là une transmission transstadiale. Si l'on s'intéresse maintenant à, aux parasites qui appartiennent au genre Babesia, ce sont des parasites intra-érythrocytaires qui vont être aussi transmis par des tiques du genre Ixodes, responsables de, de maladies que l'on va appeler des babésioses ou des péroplasmoses, qui vont être des maladies animales ou alors chez l'homme, pouvant être particulièrement sévères pardon, chez l'homme, chez des patients qui vont être immunodéprimés ou alors splénectomisés. Donc, c'est des agents pathogènes qui vont être responsables d'un syndrome hémolytique, de fièvre, et que l'on peut traiter par des antiparasitaires. Donc, parmi les espèces de Babesia qui affectent l'homme, on va trouver Babésia divergence, qui va avoir un réservoir bovin, Babésia microtique, qui un réservoir euh, roncheur, ou alors Babésia venatorum et Babesia duncani, qui vont avoir euh, comme réservoir animal des, des cervidés. Donc, en ce qui concerne le cycle de, de transmission de ces parasites par l'éthique, on va ici aussi, comme on vient de l'évoquer avec Borrelia, avoir une transmission transstadiale hein, du parasite d'un stade de la tique à l'autre, ici de la larve infectée à la nymphe qui va pouvoir être elle-même infectée, ou alors de la nymphe infectée à l'adulte infecté, et chacun de ces stades va pouvoir retransmettre le parasite à un nouvel hôte à la faveur d'un nouveau repas sanguin. Mais on va avoir ici un autre phénomène qui va intervenir, qui est que chez une tique femelle infectée, le parasite va être capable d'infecter les ovaires de la tique et donc d'infecter les œufs que la tique va pondre. Et dans ce cas-là, les larves qui émergeront de ces œufs seront directement infectées par le parasite. C'est ce qu'on va appeler la transmission transovarienne. Et donc, dans ce cas-là, la tique correspond vraiment à un réservoir du parasite dans la nature, puisqu'elle va être capable de le maintenir pendant plusieurs années sur plusieurs génération de tiques. Et donc, dans ce cas-là, on va voir ces deux modes de transmission, transstadiale et transovarienne. Enfin, dernier exemple, qui est l'exemple du virus de l'encéphalitatique, hein, qui est donc un virus transmis aussi par des tics euh, du genre Exodèse. Vous voyez ici la répartition euh, géographique de, euh, de ce virus. L'autre animal réservoir correspond, aux... sont les rongeurs. Alors, ce virus va être responsable d'un syndrome pseudogrippal pseudo dans la grande majorité des cas, mais on peut avoir dans certains cas une atteinte euh, du système nerveux euh, central avec ma malheureusement un pourcentage de mortalité qui n'est pas euh, négligeable. C'est en revanche euh, le seul agent pathogène transmis par l'éthique pour lequel on a à disposition un, un vaccin. Donc, dans ce cas-là, on va retrouver notre transmission euh, transstadiale qu'on a déjà évoquée euh, précédemment, hein, d'une larve infectée à une nymphe qui va devenir infectée. De la même façon, de la nymphe infectée qui va transmettre euh, le, le virus à, à la femelle, donc la femelle sera infectée. On va aussi avoir, comme avec les babésia, une transmission euh, du virus aux, aux œufs euh, pondus par la femelle de tique. Et donc, la larve qui va émerger sera tout de suite infectante. Euh, avec le virus de l'encéphalitatique. Et ici, on va avoir un troisième mode de transmission d'une tique à l'autre qu'on appelle le, le co-feeding en anglais. Et donc, en fait, ce co-feeding correspond à la transmission euh, du virus d'une tique infectée à une tique non infectée lorsque deux tiques vont se gorger au même endroit sur un autre vertébré. C'est ce que vous voyez ici sur, sur ces images. Et cette transmission d'une tique infectée à une tique non infectée peut se faire en l'absence d'infection de l'autre vertébré sur lequel les tiques sont en train de se gorger. Et sans virémite cette hôte, et ce mode de transmission est extrêmement important en ce qui concerne le virus de l'encéphalitatique, puisqu'on est face à un virus qui ne provoque pas de, de vérémie très importante et très, et très longue chez leurs autres. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour que le virus se maintienne dans les populations de, de tiques dans la nature. Et donc, ici, on va avoir les trois modes de transmission qu'on a évoqués transstadiale, transovarienne et via cofidine. Donc, si on, schématise, si on schématise un petit peu la problématique que l'on a vis-à-vis -vis des, des maladies liotiques dans le monde, globalement, en zone tropicale, on va avoir surtout des problèmes en santé animale avec des babésioses, des télérioses et des anaplasmoses, mais aussi, bien sûr, des problèmes en santé humaine avec les fièvres récurrentes que j'évoquais tout à l'heure, des réquestioses, des anaplasmoses, des virus comme par exemple. Le le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dont on parle pas mal à l'heure actuelle. Et en zone tempérée, on va avoir une situation euh, opposée, avec euh, surtout des problèmes en santé humaine. Le principal problème étant bien sûr la maladie de Lyme, hein, qui est le, la première maladie vectorisée dans l'hémisphère nord, mais aussi des anaplasmoses, le virus d'encephalitis de qu'on vient de voir, des rickettsioses, des babesioses. Et on a aussi des problèmes en santé animale avec des babésioses et euh, des anaplasmoses. Donc, dans les diapos qui suivent, euh, je vous rassure, on va, aller, on va passer très très vite dessus, parce que ce serait très long et, et très, en, très ennuyeux de faire la liste, mais je les ai juste mentionnés pour euh, vous donner un aperçu de la très grande variété et très grande quantité d'agents pathogènes que les tiques sont capables de, de transmettre dans le monde. Et donc, on va avoir euh, des bactéries comme par exemple celles responsables de tularemie, ou, ou alors de maladies de Lyme qu'on a exposées ou des bartonelloses. On va aussi avoir des problèmes avec des rickettsioses à la fois chez les hommes et chez les animaux, aussi des problèmes de transmission de virus. Donc chez les virus, en schématisant, on va avoir surtout des virus qui vont être liés à des encéphalites, qui vont générer pardon des encéphalites, ou alors des virus qui vont générer des, des fièvres hémorragiques. Donc à la fois chez les êtres humains et les animaux ici aussi, des transmissions de protozoaires. On a vu l'exemple de de Babésia ensemble, et aussi une transmission d'une du, filaire au, au, au canidé. Et les tiques molles vont elles aussi bien sûr être capables de transmettre des agents pathogènes. Je vous ai mentionné le cas des fièvres récurrentes transmises par le biais des, euh, des glandes coxales, et aussi beaucoup de virus. Hein, donc à la fois aux êtres humains et aux, euh, aux animaux. Donc quelques mots rapides maintenant sur le contrôle et, et la prévention vis-à-vis euh, -vis, euh, des tiques. Donc en ce qui concerne la prévention à titre euh, individuel, hein, je pense que vous avez tous entendu c'est euh, ces préconisations-là, qui sont très importantes, quand on va dans une zone que l'on sait être infestée euh, par des tiques, il est très important de porter des vêtements euh, couvrants, que ce soit des bottes ou alors euh, uniquement des chaussettes par-dessus le pantalon. C'est quelque chose qui est très très judicieux. Et aussi des vêtements clairs, non pas parce que ça, ça va repousser les tiques, hein, mais parce qu'il est plus facile de repérer une tique et de l'enlever quand on, on porte des vêtements clairs que des vêtements euh, foncés. Autre, euh, autre chose qui est aussi très importante, c'est de s'inspecter à chaque retour de zone infestée euh, par les tiques et de retirer les tiques au plus vite. On a cette chance que les tiques, comme je vous l'ai illustré, sont des organismes plutôt lents, donc elles mettent du temps à trouver leur site de piqûre, elles mettent du temps à s'installer, donc on a un laps de temps pour retirer au plus vite les tiques avant qu'elles vous piquent ou qu transmettent, hein, et qu'elles transmettent un agent pathogène potentiel. Il existe aussi des répulsifs. Euh, ou alors l'utilisation de vêtements imprégnés, ce sont des stratégies euh, qu'on va utiliser plutôt à, plutôt à court terme. En ce qui concerne les, les animaux de rente ou les animaux de loisirs, on va faire particulièrement attention évidemment aux périodes à risque. appelle hein, les périodes à risque pour les animaux vont correspondre aux périodes d'activité maximale d'éthique. Hein, donc chez nous ça va être le printemps à l'automne. Comme je vous l'ai dit, toutes les maladies liotiques ont un réservoir euh, animal, qu'il soit sauvage ou domestique. Donc, on va augmenter le risque en présence d'autres animaux euh, d'élevage ou alors d'animaux euh, sauvages. Et on va bien sûr augmenter le risque en cas d'augmentation de, de l'exposition otique. Donc, pour, euh, pour les animaux de rente ou de loisirs, ça va correspondre au fait de laisser des animaux au pâturage, l'utiliser pour faire de la randonnée à proximité des forêts ou des sous-bois ou, ou des broussailles sous nos, sous nos latitudes. Et donc, en ce qui concerne la lutte contre les populations de tiques, vous allez voir, on n'a pas énormément d'outils à notre disposition. Hein, et je vous ai listé ici les cinq grandes euh, catégories de lutte que l'on évoque en général vis-à-vis euh, -vis des, des arthropodes. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la lutte biologique, hein, les, les tiques ont des prédateurs, qu'il s'agisse d'oiseaux, d'araignées ou de fournies, et aussi des parasites comme certains hyménoptères ou champignons entomopathogènes. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de lutte biologique qui ait vraiment fait ses preuves en, en utilisation euh, efficace et, euh, et massive pour lutter contre les tiques. Hein. En ce qui concerne la lutte génétique, elle n'est pas non plus utilisée euh, pour les tiques. Hein, euh, Notamment pour la simple raison que euh, pour faire de la lutte génétique et par exemple faire des lâchers de, de mâles stériles comme on peut faire avec les moustiques, il faudrait pour ça élever des tiques en très très grande quantité. C'est très compliqué d'élever des tics en c'est possible, hein, mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et en plus, on manque beaucoup de données génétiques pour les tics. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul génome, c'est celui de la tique Xodescapularis aux, aux États-Unis qui soit séquencé et, et annoté. Mais je vous ai quand même mentionné dans la lutte génétique euh, le fait que l'on peut sélectionner des races que l'on sait être plus résistantes que d'autres aux, aux piqûres de tiques. On a notamment fait des croisements euh, chez les bovins pour obtenir des races qui soient plus résistantes que d'autres à l'infestation vis-à-vis des tiques. Quelque chose en revanche qui fonctionne assez bien, c'est la lutte écologique avec euh, l'entretien des pâtures de façon à, à générer un biotope qui soit moins propice au développement des tiques, avec un nettoyage des bordures, des déboisements. Mettre des barrières contre la faune sauvage, mais ce n'est pas toujours faisable parce qu'on sait que les cervidés euh, sautent à des hauteurs euh, très très importantes, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui est toujours réalisable euh, pour les éleveurs. Mais en revanche, les éleveurs savent très bien quelles pâtures euh, étaient plus ou moins infectées par, euh, par l'éthique. Donc on évite de mettre les animaux dans les pâtures les plus infestées aux, aux périodes d'activité d'éthique. On peut envisager de limiter la faune sauvage, même si ça peut se discuter, ou de parasiter les autres manuellement, comme vous pouvez le voir sur. Euh, euh, sur, sur cette image, quand on a des, des, des troupeaux d'assez de, de, petite taille. Donc, pour les tiques et c'est le seul vaccin qui existe contre un ectoparasite, hein, on possède un vaccin qui a été développé euh, à, à Cuba, qui était autrefois commercialisé en Australie à Cuba, il ne l'est plus qu'à Cuba, qui est dirigé contre une tique Rhipicephalus microplus qui infecte euh, les bovins. Mais malheureusement, on coûte très cher, donc tous les éleveurs ne peuvent pas, euh, pas l'utiliser. Et euh, qui a le désavantage d'être espèce spécifique, souche spécifique. Donc, euh, il fonctionne plutôt bien euh, sur des populations de tiques euh, d'Amérique du Sud, par exemple, mais il fonctionne extrêmement mal, voire pas du tout, en Afrique du Sud, par exemple. Et enfin, malheureusement, hein, comme pour les, les la majorité des arthropodes vecteurs, la lutte qui reste la plus utilisée à l'heure actuelle est la lutte chimique avec euh, tous les désavantages de cette lutte. Donc fort heureusement, on n'applique plus ce que vous pouvez voir sur cette image avec du DTT sur les humains. Mais en ce qui concerne le TIC, on va... Euh aussi euh, vaporiser directement sur les, euh, sur les animaux hein, par des pulvérisations, ou alors on fait passer des animaux dans des piscines avec des bains euh, d'acaricide. Et donc, comme je vous disais, avec tous les désavantages d'utilisation de, de cette lutte chimique qui est d'atteindre la faune non ciblée, de polluer l'environnement, et dans le cas particulier des tigres, de polluer aussi, de contaminer les, les produits issus de l'élevage, puisqu'on va pouvoir trouver des traces d'acaricide dans la viande ou alors dans... dans donc je voulais juste finir très rapidement euh, avec quelques mots sur les, les TIC et changements globaux, parce que c'est vraiment une question d'actualité, évidemment, qui se, euh, qui se pose aujourd'hui. Donc euh, en ce qui concerne l'éthique, on, on sait que les, les, voilà, les trois grands facteurs qui vont jouer sur les, les populations de TIC concernent effectivement les changements climatiques, hein, dont on parle beaucoup à, à l'heure actuelle, et qui vont générer euh, des, des endroits du globe qui vont être. Plus propice à l'installation de certaines espèces de tiques, mais il faut garder à l'esprit que ça va potentiellement aussi générer des, des endroits qui seront moins propices à certaines espèces de tics. On, on va observer les, les, probablement les deux phénomènes. Autre facteur très important en ce qui concerne les tics, ce sont les modifications de l'environnement. Par exemple, on sait qu'au siècle dernier, les surfaces forestières ont beaucoup augmenté euh, en Europe, Donc, ce qui a fait augmenter les, les populations de cervidés, qui sont de très bons réservoirs des tiques que l'on a ici euh, en, en Europe. Donc Ça a permis une augmentation des, euh, des populations de tiques. Et enfin, un dernier facteur très important pour les populations de tiques, ce sont les activités humaines. D'une part parce que euh, les habitudes des êtres humains changent. Là, on a beaucoup plus d'activités en plein air, donc les hommes vont plus, les êtres humains vont plus aller au contact des tiques et se faire euh, contaminer. Mais l'activité très importante aussi, c'est le déplacement provoqué euh, par les hommes, des hôtes des tiques, puisque quand on fait voyager les bovins et qu'on ne fait pas attention, ce qui est en général le cas, on les fait voyager aussi avec leur, euh, leurs ectoparasites et notamment euh, leurs tiques. Donc, ces trois facteurs vont bien sûr avoir un impact très important sur l'éthique en termes de survie, de reproduction, d'activité, de distribution et de, et de densité, mais vont aussi avoir un impact sur l'éthique par le biais de l'impact qu'ils vont avoir sur les autres d'éthique et sur les mêmes, euh, les mêmes paramètres chez ces autres d'éthique, ce qui va bien sûr avoir un impact sur la transmission d'agents pathogènes et in fine sur l'incidence des maladies euh, duotiques. Donc, la question qui se pose actuellement et qu'on nous, euh, qu nous pose très souvent est de savoir si les maladies atiques sont ou non en émergence. Alors, ce, ce qu'on qualifie d'émergence, ça va être soit l'apparition de nouvelles espèces ou de nouveaux agents pathogènes dans de nouvelles régions. Et ça, ça va pouvoir se faire par le transport de nouvelles espèces de tiques et d'agents pathogènes donc qui arrivent avec, soit à l'intérieur des tiques, soit à l'intérieur euh, de leurs autres vertébrés. Et là, on peut se poser la question, c'est si c'est ce qui va nous arriver un jour avec la fièvre de Crimée-Congo euh, en Europe, je reviendrai très vite après. Ou alors, on peut avoir ce qu'on appelle aussi une émergence avec une augmentation locale de quelque chose qui existait déjà, mais, mais à bras, bruit. Et ça, ça va beaucoup être lié avec les, aux changements environnementaux, l'occupation des sols et les changements climatiques qui vont affecter à la fois les vecteurs et les autres sauvages. Et c'est potentiellement ce que l'on voit avec la borreliose de Lyme dans certains endroits en Europe aujourd'hui. Mais ces augmentations locales peuvent aussi être liées à des changements sociaux, liées à la pauvreté, à la conflit. On a vu ça avec l'encéphalie tatique lors de l'effondrement du, du bloc de l'Est euh, au siècle dernier. Donc, je disais juste quelques petits exemples rapides pour vous illustrer ça, et notamment... Euh, L'expansion gé... géographique d'une tique Hiripicephalus Microplus, que je vous ai déjà évoquée à... à cause du vaccin, pour vous illustrer l'invasion de nouvelles régions du monde avec de nouvelles espèces de tiques. Donc ici, on est face à une tique qui en fait a été voyagé à travers le monde grâce aux êtres humains, parce qu'elle a voyagé par le biais d'exportation de bovins. Et les bovins ont été exportés avec leur tique. et on a eu plusieurs vagues d'exportation de... de cette tique qui vient d'Asie, vers l'Asie du Sud-Est, ensuite vers l'Australie, puis l'Afrique du Sud. Ensuite, cette tique a été importée via l'exportation de bovins en Amérique du Sud. Et assez récemment, cette tique a été importée via des bovins d'Amérique du Sud vers euh, l'Afrique de l'Ouest. Et à l'heure actuelle, cette tique qui est très, très invasive est en train de remonter euh, vers le nord du, du continent africain. Donc, dans ce cas-là, la colonisation de cette tique dans le monde entier et son invasion de nouvelles régions n'est pas liée euh, a priori au changement climatique, mais surtout au, à l'utilisation, euh, au fonctionnement des êtres humains et des importations de bétail euh, qu'il a pu faire. En revanche, si on prend l'exemple maintenant de, de Yaloma marginatum, qui est arrivé euh, assez récemment au sud de la France, je pense que vous en avez tous entendu parler, puisque... Euh, on l'a beaucoup évoqué puisque c'est un, un des principaux vecteurs du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Et donc, depuis très longtemps, hein, on assiste à des introductions régulières de cette, cette espèce de tique en Europe. C'est le parfait exemple, exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure avec les, les oiseaux migrateurs, mais le climat ne se prêtait pas à une installation d'espèces de, de tic. Or, récemment, les changements climatiques ont part, euh, probablement... Euh, très fortement participé à l'installation de cette nouvelle espèce de tigre très invasive dans le sud de l'Europe et dans le, sud, dans le sud de la France. Et dernier exemple avant de finir que je voulais évoquer avec vous, l'exemple dixodes puisqu'on a beaucoup parlé dixodes dans, dans, dans cette présentation, et euh, l'évolution des aires de répartition dixodes en Europe. Donc vous avez ici les cartes euh, qui sont publiées régulièrement par les CDC avec la comparaison des cartes de 2012 et de celles de 2023. Donc attention, les, les, euh, les zones en gris clair sont des zones où on n'avait pas de données, hein, donc ce n'est pas une augmentation euh, massive sur l'ensemble de l'Europe. Mais très clairement, on sait à l'heure actuelle que cette tique est en train de remonter vers l'Europe du Nord et on la trouve aussi beaucoup plus qu'avant à des altitudes euh, beaucoup plus élevées pardon, que ce qu'on observait euh, autrefois. Et ça, c'est très clairement lié aux euh, au changements environnementaux, climatiques et aux au changements euh, d'occupation des sols. Donc, je finirai juste avec cette diapo et ce qu'il euh, qu faut retenir de très important, ce qui concerne les tiques, qui est d'abord que, évidemment, la détection d'un agent pathogène dans un arthropode ne suffit absolument pas à dire qu'il est vecteur cet agent pathogène. Et euh, comme je vous l'ai illustré, comme vous l'aurez, euh, j'imagine, compris, les tiques sont capables de transmettre énormément d'agents pathogènes, mais ce ne sont pas pour autant des seringues. C'est comme tous les autres arthropodes vecteurs, il ne faut pas oublier la notion de compétence vectorielle qui fait que une espèce de tique va être capable de transmettre un agent pathogène précis et pas, euh, et pas un autre. L'autre point important sur lequel je, je, je voulais conclure est le fait que pour comprendre la transmission des agents pathogènes par les vecteurs, il est absolument indispensable de connaître la biologie de ces vecteurs, de connaître leur cycle biologique et de connaître les interactions vecteurs hôte pathogènes. Et enfin, en ce qui concerne l'éthique, très clairement, vous l'aurez vu, on n'a pas beaucoup de méthodes de, lait, de lutte à, à notre, notre disposition et le maître mot va être la, la prévention. Voilà, et je me permets juste de vous mentionner que si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur l'éthique, hein, nous avons publié avec ma collègue Nathalie Boulanger, qui travaille à, à Strasbourg, un petit livre euh, grand public euh, sur l'éthique qui a été publié aux éditions euh, Skitep. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, euh, comme nous l'avions dit, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sarah Bonnet. Euh, donc, on va prendre les questions euh, qui sont listées dans le QNR. Je vais plutôt essayer de donner. Alors on voit les petits applaudissements. Merci à tous et Merci. à toutes. Euh, euh, Roland Bamou, est-ce que vous voulez euh, prendre la parole Alors, je vais voir si mes collègues peuvent. Euh... Alors, je vais poser votre question et pendant ce temps, on va, on va vous. Essayez d'allumer votre caméra, votre micro. Euh, donc je vais commencer par, euh, par la question de Laurent Bamou. N'hésitez pas à, à euh, Leonardo si tu peux lui allumer sa caméra et micro. Quel pourrait être l'intérêt des protéines salivaires sur la prise et la digestion du sang et ou la transmission des pathogènes? Alors, ben merci beaucoup pour cette question, parce que finalement, c'est euh, comme Clémentine l'a dit au début, un sujet qui m'intéresse particulièrement et sur lequel je travaille. Comme je vous l'ai exposé, en fait, la salive de tique, elle est absolument indispensable pour les tiques pour prendre un repas sanguin. Et euh, donc, elle est composée d'un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de prendre son repas sanguin dans les meilleures conditions possibles. Et si on prend par exemple euh, l'exemple des anticoagulants qui sont présents dans la salive de tique, si vous fabriquez un vaccin... Euh, qui va être à même de générer des anticorps capables de bloquer ces anticoagulants. Euh, S'il n'y a plus d'anticoagulants, eh le sang va coaguler, la tique ne pourra plus prendre son repas sanguin, elle va se détacher et elle ne sera pas capable de transmettre des, euh, des agents pathogènes. Et ça va être la même chose pour les autres substances que l'on trouve dans la salive et qui sont indispensables à la prise du repas sanguin. Si vous bloquez euh, ces, ces substances-là, en fait, vous empêcherez le, le repas sanguin. Et il y a aussi certainement dans la tique, là, je, je finis juste avec ça pour vous répondre, un certain nombre de molécules qui vont être responsables de ce que j'ai appelé donc, la compétence vectorielle, hein, qui fait qu'une tique va pouvoir transmettre un agent pathogène et pas un autre. Là, on est face à des interactions très fines, qui sont des interactions euh, moléculaires euh, entre, euh, entre l'agent pathogène et son vecteur, et s'il faut bloquer ces interactions, vous allez aussi bloquer la transmission d'agents pathogènes. Merci beaucoup. Euh, je vais poser la deuxième question de Roland Bamou. Comment faites-vous la différence entre les changements de l'environnement, modifications, installation d'habitations dans de nouvelles zones, et le changement climatique? Pensez-vous que la colonisation du nouveau site dans les zones d'altitude serait uniquement le fait du changement climatique? En fait, je, je, quand, je, quand je parle de changements environnementaux, alors effectivement peut-être que si, euh, c'est un abus de langage de ma part, mais en fait j'inclus dans les changements environnementaux... Euh, les changements climatiques, en fait, les changements effectivement d'occupation du sol et les changements environnementaux. Alors, c'est très difficile de savoir lequel va avoir le plus d'impact sur les populations euh, de tiques. Pour euh, répondre plus précisément à votre question, quand on va parler des changements d'altitude, la cite très clairement, ça va être les changements climatiques, puisque les zones en haute altitude ne vont pas beaucoup changer en termes d'occupation des sols, mais en revanche, les températures vont beaucoup changer. Et là, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Si on parle de régions de plaine, quand vous avez le phénomène d'urbanisation, par exemple, va être très néfaste au tique. Et euh, par ailleurs, le phénomène qu'on voit à l'heure actuelle de euh, végétalisation des villes, n'est-ce pas, qui est très à la mode et qui est très bien pour euh, un certain nombre de points, hein, mais qui peut poser aussi un certain nombre de, de problèmes en ce qui concerne les transmissions vectorielles, notamment pour les moustiques, pourrait aussi un problème en, ce qui, en, en poser en ce qui concerne l'éthique puisque là, on fait des corridors verts qui relient un peu les zones rurales aux zones urbaines. Et ça peut être l'occasion de, de, de rentrer de faunes sauvages dans les villes, qui peuvent rentrer dans les villes avec euh, leur panel d'ectoparasites dont les tiquins. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Philippe Bastin. Vous pouvez même allumer votre caméra, je pense, qui a levé la main. Donc n'hésitez pas à lever la main, ça nous permet de vous... De pouvoir vous autoriser à allumer votre caméra. Ok, bonjour. Euh, Sarah, ben bonjour. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Euh, J'avais une question pour, pour toi quand tu as parlé des, des bovins résistants au TIC. Mmh. Comment on devient résistant au TIC C'est des changements au niveau de la peau, au niveau des odeurs, du comportement, autre chose alors, il y a des changements, Alors, c'est un peu compliqué, il y a probablement euh, effectivement des, des changements au niveau de la peau, hein. donc ça c'est comme, euh, comme les moustiques, et j'imagine les mouches, mais ça tu le sauras mieux que moi, euh, des gens qui vont être particulièrement attractifs ou non pour les tiques, et ça c'est comme les moustiques, a priori ça va venir du microbiome cut cutané. Et en ce qui concerne les bovins, donc on va peut-être effectivement avoir des différences au niveau du microbiome cutané, mais les... Euh, ce sur quoi pas mal d'équipes de recherche ont travaillé. Ce sont des différences au niveau immunitaire en fait et que l'on a. Il y a des, euh, des bovins qui vont plus ou moins réagir aux, euh, aux piqûres de tiques et qui vont ou non rejeter euh, les tiques. Donc on va voir des, des différences au niveau de, de la quantité d'infestation par, euh, par les tiques. Et c'est pour ça qu'on a, a fait des croisements et on a réussi à obtenir des, euh, des races qui étaient plus résistantes que d'autres aux piqueurs du tic. Alors Par contre, malheureusement, c'est en général des, des races qui sont moins productives en termes de viande ou de lait, donc elles ne sont pas favorisées euh, par les éleveurs qui préfèrent continuer à utiliser des, euh, euh, des acaricides. Et il y a quelques équipes qui travaillent sur le sujet, on a des différences de niveau de TNF par exemple, parce que pour, pour euh, élargir un petit peu à ta question, et euh, c'est pour ça que nous, on travaille sur des, euh, sur des thématiques de vaccins anti-tiques. Les animaux sont capables de s'immuniser contre les piqûres de tiques. En laboratoire, par exemple, on élève des tiques avec des lapins de laboratoire et on sait très très bien qu'on ne peut pas gorger deux fois de suite des tiques sur le même lapin, puisque le lapin va développer une immunité anti-tique qui fait que les tiques vont être rejetées ne pourront pas euh, se gorger deux fois sur le même lapin. merci bien. Alors je vais donner la parole. Est-ce qu'elle a pu rejoindre les panélistes Non, bah, je vais prendre la parole. La... Il y a deux questions en fait sur que fait-on des tics qu'on a enlevés euh, de son chien, par exemple, est-ce que si on la jette à la poubelle ou est-ce qu'on le jette euh, par terre, est-ce qu'elle risque pas d'atteindre un autre hôte Alors là, c'est assez. Ben, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle va me donner l'occasion de de faire un peu de publicité entre guillemets pour un, une application qui a été développée par des collègues Inrae qui s'appelle Citic hein, que vous pouvez avoir sur votre euh, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui permet de recenser les, les piqûres de tiques hein, au, euh, au niveau national euh, en tout cas au niveau national en, en France hein, je sais pas dans quel pays vous êtes à poser cette question là donc n'est peut-être pas adapté si vous n'êtes pas sur le territoire euh, le territoire français mais et, euh, et ça, ça permet d'avoir des, des cartes, alors c'est purement déclaratif, hein, c'est de, de la science participative, mais de dresser des cartes de, de fréquences de piqûres de tiques qui sont déclarées, et on peut aussi envoyer sa tique pour participer à la recherche sur les tiques à CITIC, donc l'adresse se trouve sur le, sur le, le site de, de CITIC, les laboratoires en question sont à, à Nancy, dans l'Est de la France, et vous pouvez tout à fait envoyer euh, votre tic à C'est ces une très, très bonne idée. Ça participe à augmenter nos connaissances sur la, la, la distribution des tiques. Et pour, pour tuer la tique, le meilleur moyen, en fait, c'est de la congeler et de, de la laisser un, un certain temps à moins 20 au, au congélateur. Et sinon, si vous ne souhaitez pas l'envoyer, ben il, faut, il faut la tuer, en fait. Hein. Il suffit de, de, de l'écraser ou de la brûler comme vous voulez, mais euh, il faut la tuer. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Benjamin kirio qui demande de préciser si on dit « piqûre » ou « morsure ». Il pensait que qu'au Faro, <laughs> bon, je crois à Marseille, du coup, on disait que les moustiques piquent et les tiques mordent. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Moi, vous l'aurez entendu, je dis « piqûre » pour une raison assez simple, parce qu'effectivement, les, les, les tiques sont des, des, des chelicérates, elles ont des chelicères. Je vous les ai les montrées en, en microscopie. Mais en revanche, on ne va pas avoir une morsure, comme par exemple avec deux points d'impact, comme par exemple avec les, euh, les araignées. Hein. Dans le cas d'éthique, on a seulement euh, un seul point d'impact avec la pénétration de l'hypostome et des, des chéliceurs. Et c'est pour ça que, pour ma part, je pense qu'il faut dire piqûre. Merci pour a cette pas, précision. On n'a pas de crocs chez, chez les tiques qui vont laisser deux points comme ça. On n'a qu'un seul point d'impact, d'où la piqûre. Euh, J'ai par ailleurs une question de Blaise Armand de Faute à l'homme. A-t-on déjà étudié la sensibilité des tiques aux biopesticides non nocifs pour l'environnement comme l'huile de Nem Alors, y neem, a pas même, même je de... Pas il y a effectivement, Alors pour cette huile, c'est une huile essentielle, j'imagine. Euh, pour cette huile en particulier, je ne saurais pas vous répondre, je ne saurais pas vous dire s'il y, y a des travaux en cours. Mais en revanche, oui, il y a beaucoup de, de travaux qui sont en cours pour essayer de trouver des, euh, des substances un petit peu plus euh, naturelles, n'est-ce pas, pour, euh, pour lutter contre l'éthique ou tout du moins être répulsive euh, contre l'éthique. Et il y a pas mal de travaux de recherche, euh, surtout aux États-Unis, qui sont faits à l'heure actuelle pour trouver des, des huiles essentielles qui serait efficace pour, euh, en tant que répulsif contre l'éthique. Oui, oui, il y a des gens qui travaillent euh, là-dessus. Alors le problème des huiles essentielles, c'est qu'il faut faire attention à leur utilisation parce que c'est euh, quelque chose qui n'est pas anodin. Hein. On a l'impression, certaines personnes pensent que comme c'est naturel, c'est anodin, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est à, à utiliser avec précaution et tel que préconisé. Et euh, le problème pour l'instant qu'on a vraiment avec les huiles essentielles, c'est leur émanence. En fait, le, le côté répulsif des huiles essentielles que l'on connaît dure très très peu de temps, donc il faut en remettre très 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 régulièrement. Merci beaucoup. Une question de Edith Hautier. Pouvez-vous nous indiquer où en est la recherche sur des vaccins antitiques basés sur l'utilisation d'antigènes salivaires Alors, euh, eh bien, écoute, je vais vous répondre tout à fait honnêtement. nous, nous avons développé un ces dernières années, un projet de recherche qui, vivait, qui visait à, à valider, à évaluer le potentiel vaccinal d'une protéine salivaire que l'on avait trouvé comme étant capable de moduler le système immunitaire de l'autre vertébré au moment de, de la piqûre. Donc, ça nous apparaissait comme un candidat parfait. Malheureusement, alors les résultats ont été publiés, hein, et malheureusement, ce candidat vaccinal ne fonctionne pas. Mais il y a tout un tas d'autres, on va continuer pour notre part, et il y a aussi d'autres laboratoires, bien sûr, qui travaillent sur le sujet. Donc, très régulièrement, on voit des papiers euh, si scientifiques sortir sur des euh, niveaux d'efficacité qui peuvent être assez bons hein, de, de vaccins dirigés euh, contre des antigènes euh, salivaires. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose derrière. Alors, je pense que les... Euh, alors, ça n'engage que moi, hein, mais je, je pense que parmi les... Les problèmes auxquels on est confronté, c'est d'une part bon, bah, le lobby des acaricides, hein, qui est quand même assez puissant. Le fait que euh, développer un vaccin, c'est quelque chose qui coûte très cher, beaucoup plus cher que de trouver des nouvelles molécules chimiques pouvant être utilisées comme des acaricides. Donc, c'est très difficile de trouver des financements ad hoc pour, euh, pour travailler sur ces, euh, ces projets-là. Euh, il faudrait trouver des vaccins qui ne coûtent pas cher, qui puissent être utilisables par tous les éleveurs. Je vous l'ai dit, le vaccin qui existe à l'heure actuelle, commercialisé à Cuba, euh, nécessite trois rappels, donc il est très très cher, donc tout le monde ne peut pas se permettre euh, de, de l'utiliser. Donc c'est une recherche qui est un petit, peu, euh, un petit peu freinée, qui est assez compliquée. Mais euh, je ne désespère pas, personnellement, je pense, je pense vraiment que c'est une des stratégies d'avenir pour lutter. Euh, Contre les tiques, parce qu'évidemment, ça n'aura pas d'impact sur l'environnement, contrairement aux, aux acaricides. Ça ne sera pas à même de développer des résistances comme les acaricides, puisque c'est venu un petit peu plus lentement que chez les moustiques, puisqu'on est face à des temps générationnels qui sont beaucoup plus longs euh, chez les tiques. Mais on a aussi maintenant des résistances chez de, des populations de tiques dans le monde qui peuvent être très, très importantes suivant les endroits. Et donc, je pense que vraiment, la solution d'avenir, c'est le vaccin. Après, il faut s'en donner les moyens. Et puis, euh, voilà, mais ça va peut-être venir, là, on... ça ne vous a sans doute pas échappé, il y a vraiment un regain d'intérêt en ce moment sur les, sur les tics et leurs potentiels vecteurs, donc euh... ça viendra peut-être, on l'espère. Merci. Euh, alors, j'ai une question de Sarah Oleyman, euh, qui souhaiterait que vous réexpliquiez la transmission de tiques à tiques par le co-feeding si l'hôte piqué n'est pas infecté. Alors. Si on revient sur ce que je, sur ce que je vous ai expliqué, euh, et notamment la capacité de la salive que la, la tique va injecter alternativement avec sa prise de repas sanguin lorsqu'elle pique un hôte, cette salive est donc immunosuppressive. Elle va créer un micro-environnement euh, au sein du micro-hématome que je vous ai montré euh, sur le, le petit schéma que, que j'avais dessiné. Là. Un micro-environnement qui est euh, immunosupprimé en fait où euh, le système immunitaire de l'autre ne pourra pas se défendre, ne pourra pas agir. Et ça, c'est tout à fait propice à une viabilité des agents pathogènes qui sont au moment de leur transmission par une tique infectée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand une tique infectée va donc injecter un agent pathogène dans ce micro-environnement euh, euh, au niveau dermique chez son hôte vertébré, l'agent pathogène va rester vivant et va pouvoir être absorbé par la tique voisine si elle pique au même endroit et ça va passer comme ça d'une tique à l'autre et ça peut se faire même si on est euh, ces deux tiques là sont sur un animal qui ne va pas développer euh, de virémie par exemple pour un pour un virus si l'animal n'est pas infecté l'agent pathogène passe directement d'une tique en train de se gorger à une autre tique euh, qui n'est pas en train de se gorger est-ce que c'est plus clair pour vous je vais la laisser répondre dans le chat Moi, c'est assez clair. Il euh, y a Tijani Ayole Jiman qui nous demande quel conseil avez-vous à nous donner pour la détection des virus transmis par les tiques ?» Alors, vous parlez de détection dans l'eau de vertébrés ou dans la tique elle-même Donc, Donc si euh... dans la tique, il n'y a, ben, a pas de conseil particulier. Hein. Ce qu'on utilise le plus à l'heure actuelle sont des techniques classiques de, de biologie moléculaire. Si ce n'est que, à part un, qui est le virus de la peste porcine africain, l'ensemble des virus transmis par les tiques sont des virus à ARN. Donc, euh, je ne sais pas si vous, si vous êtes au courant de la, la différence qu'on peut faire de virus à ADN ou de virus à ARN, mais toujours est-il que l'ARN est une molécule beaucoup plus fragile que l'ADN. Donc, ça sous-entend un mode de conservation plus délicat. Pour être à même de détecter des virus à ARN que des virus à ADN. Donc, il y a des réactifs qui existent pour ça, ou alors on, on congèle l'éthique à moins 80 degrés, et après, c'est une détection moléculaire classique, comme on peut faire sur tout échantillon, hein, avec une amplification en, en PCR. Ou alors, on se développe de plus en plus à l'heure actuelle des techniques d'identification. Euh, pour détecter les protéines, ce qui présente le gros avantage de détecter des organismes vivants puisqu'ils synthétisent des, des, des protéines. Mais classiquement, hein, ce qu'on utilise le plus, c'est la méthode PCR dans l'éthique. Alors, dans les échantillons euh, de l'eau de vertébré, on va dire, donc là, ça va dépendre de l'agent pathogène concerné. Si c'est un agent pathogène sanguin, pour éventuellement... Le détecter dans le sang, s'il est dans le derme, ce sera plutôt sur des biopsies cutanées. Et ce qu'on utilise aussi, c'est comme pour tous les autres agents pathogènes, hein, soit une détection directe de l'agent par des méthodes euh, moléculaires ou alors de protéomiques, ou alors une détection d'un contact euh, récent ou passé avec l'agent pathogène par la détection d'anticorps qu'on aura pu développer contre cet agent pathogène en réalisant des sérologies. Merci beaucoup. Euh, je vais passer la parole à Guy André Pilimbi Sakara Sakaba, pardon. Euh, alors, je, si vous pouvez allumer votre vidéo également, alors, vous pouvez parler en tout cas, on vous entend, Guy André. Dites-nous aussi de vous, où vous nous appelez. Oui, oui. Enfin, je... En fait, c'est n'est pas Guy André, c'est vrai. Okay. On est en train de suivre le webinaire sur le, la machine de Guy André. Moi, c'est Karine, Karine, enfin, Karine du laboratoire d'entomologie médicale à l'Institut Pasteur de Bangui. En tout cas, j'ai oui, je... trop aimé hein, la, présentation, enfin, le, la présentation de, de, de Sarah. Et <laughs> euh, moi, j'ai juste euh, une question euh, sur les espèces invasives, parce que ça m'intéresse bien. Ça veut que jusque-là, j'ai eu à travailler plus sur les AIDS, les PULS, enfin les moustiques. Et les tiques et les pathogènes liés, ça, ça devient de plus en plus préoccupant pour nous, enfin pour moi et mon équipe, et y compris, enfin je vais dire l'Institut Pasteur. C'est pourquoi on a un projet en commun avec l'Institut Pasteur de, de Tunis, avec Annabella, Sarah. Sarah Moutalé de ANSES euh, et on va commencer les, les activités au début de l'année prochaine. Alors ma question c'est que je voudrais avoir le point de vue de, de Sarah à ce, enfin concernant par exemple l'espèce invasive euh, l'épicéphalus euh, micropus, mm -hmm. parce que bah, je dis invasive invasive pour euh, le continent africain dites-moi si j'ai tort. Non 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 si je, je compare, ça. oui si je compare par exemple avec ce qu'on a eu comme expérience sur Là, au cours de, 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 de ces dix ans-là, chez, chez nous, ici, en, en République centrafricaine, on a l'impression, pas qu'on a l'impression, mais les données qu'on a collectées sur le terrain montrent que cette espèce-là, à peine arrivée, prend déjà le dessus hein, des, des, des espèces indigènes qu'on a ici. Est-ce que Sarah pense que, par exemple, ben, on ne sait pas encore si Microcus, on saura plus l'année prochaine. Alors, est-ce que Sarah pourra nous dire, euh, est-ce qu'on ben, va avoir le, le, le même type de schéma que ce qu'on a constaté? Constaté sur Aedes albopictus, qui est à peine rentré, prend déjà le, le dessus, devient déjà prévalent sur les autres espèces indigènes. Je ne sais pas, c'est juste une question par rapport au temps que ça peut prendre, par exemple, des espèces, une espèce invasive du, enfin, du genre tique, quoi, quand il s'installe dans une nouvelle région ou sur une nouvelle terre. C'est juste ça ma question, ça. Oui, écoute, non, merci beaucoup Karine pour ta question. Oui, oui, je partage, je partage tout à fait ton inquiétude parce que euh, je l'ai appelée espèce invasive à dessein. Hein, donc euh, ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit avec toutes les autres espèces invasives. Hein, elle prend le pas et on le sait très bien, comme tu l'as mentionné à l'heure actuelle, sur les, elle prend le pas sur les espèces indigènes. Et en fait, c'est une, une tique qui qui envahit le monde assez rapidement hein, par le biais des échanges de bovins, comme comme je le disais. Donc, on va évidemment avoir des différences, si tu veux, en comparant avec les moustiques, puisqu'on n'est pas sur un arthropode volant. Et comme je disais, qu'il n'y a pas une dispersion euh, très importante de par euh, de par elle-même. Sauf que et ça, tu sais mieux que, que personne, hein, si on considère les euh, le phénomène de transhumance, par exemple, des bovins. Euh, voilà, on, ça va quand même aller assez vite, et ça va assez vite. On le voit, hein. dit, là, elle arrive vraiment en, en, en Afrique du Nord et que ce soit par le biais d'échanges de bovins ou alors pas par pas en raison de, de, de la transhumance par exemple euh, ça, va, ça va assez vite hein, oui, oui. et c'est bien une, une espèce invasive Merci oui, pour ta réponse Merci alors j'ai une question d'un spectateur anonyme Pourriez-vous parler du syndrome de l'alphagale et dire si la salive d'Ixodes Ricinus peut provoquer cette allergie Je sais pas si c'est... Alors, le, le syndrome d'alphagale, c'est effectivement une, une réaction allergique. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, être humains, nous, il s'agit d'un sucre, hein, l'alphagale. Et nous, en tant qu'être humain, on ne synthétise pas ce, ce sucre, en fait. En revanche, il est présent dans la salive de tique. Et euh, particulièrement chez certaines espèces de tiques, et c'est pour ça que ce syndrome, il est plus prégnant euh, dans certaines régions euh, du monde, hein, aux États-Unis, en Australie. Il y a quelques cas euh, en Europe, euh, peu, très peu, mais il y en a quelques-uns. Et du coup, quand on se fait piquer par une, par une tique, en fait, au moment où elle va injecter la salive, elle va injecter ce sucre, cet alpha-gal, et euh, chez certaines personnes, ce n'est pas chez tout le monde, fort heureusement, chez certaines personnes, on va avoir un phénomène de d'hypersensibilité avec une euh, comme toute réaction allergique en fait hein. et en fait ce sucre euh, alpha-gal est aussi présent dans la viande rouge et une fois que les personnes qui ont été sensibilisées à ce sucre par le à la suite d'une piqûre de tique vont manger de la viande rouge ils vont pouvoir faire, développer une réaction d'hypersensibilité avec éventuellement un choc anaphylactique euh, à ce sucre donc euh, donc ça c'est pour le fonctionnement après, je n'ai pas connaissance, alors ce n'est pas ma spécialité, hein. mais je n'ai pas connaissance de cas euh, avec Ixodes Ricinus. De ce que je sais, je crois qu'on doit être à 2-3 cas ou peut-être quatre cas recensés euh, chez nous, mais je ne suis pas sûre, j'aurais peur de dire une bêtise sur l'espèce de tic qui a été incriminée. Pardon. Merci. Alors, j'avais une question, enfin deux questions qui suivaient. Euh... Euh, C'est la même personne qui nous avait posé des questions sur la détection des virus euh, chez l'éthique. C'est M. Tijani Ayole Jiman. Euh, Est-ce euh, possible de faire une détection d'un virus ARN à partir de sang séché sur papier filtre euh, donc, voilà, il, il précisait que sa question était liée à la fragilité de l'ARN. Est-ce qu'il pouvait quand même le détecter sur euh, du sang séché sur papier filtre alors là, pareillement, j'aurais peur de dire une bêtise, puisque euh, ça fait très longtemps que je me suis intéressée à ce genre de détection. Euh, J'imagine que suivant les modes de conservation du papier frit en question, c'est peut-être possible. Mais euh, je pense que si on le laisse à l'air libre sur papier buvard, euh, comme on fait pour détecter derrière de l'ADN, ça ne doit pas fonctionner. Mais. Euh, Là, là aussi, j'aimerais mieux ne pas dire de bêtises, donc il vaudrait mieux poser la question à quelqu'un qui est spécialiste de la détection des agents pathogènes chez les, chez les autres vertébrés par ce genre de technique. merci. alors, une question de michel lonsi de mano. j'aimerais il vous félicite tout d'abord et il aimerait savoir si les vaccins antitiques sont spécifiques aux différentes espèces. Par exemple, le vaccin utilisé à Cuba n'est efficace que sur Air Micro. Tout à fait. Oui, on n'en a qu'un vaccin à l'heure actuelle qui soit commercialisé, qui est mis sur le marché et qui a été testé sur sur beaucoup d'animaux, c'est effectivement ce, ce vaccin qui est dirigé contre une protéine qui s'appelle BM86, qui est présente dans le tube digestif de la tique Ripicéphalus microplus, et comme je vous le disais, euh, qui est euh, espèce spécifique, alors ça a une petite efficacité contre des espèces que l'on dit un peu cousines, comme Ripicéphalus annulatus, mais c'est vraiment, euh, vraiment très très faible, et en plus, c'est sous-spécifique. Donc, ça veut dire, comme je vous le disais, qu'il y a des populations d'ripicéphalus de microplus dans le monde, comme on a en Afrique du Sud, par exemple, où, où on a 0% d'efficacité. Donc, le seul vaccin qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle est effectivement espèce spécifique. Sachant que, que, effectivement, ce qui serait souhaitable et ce à quoi on aspire, c'est de trouver un vaccin qui puissent euh, être dirigés contre des antigènes communs à plusieurs espèces de tiques et qui puissent fonctionner contre plusieurs espèces de tiques. Mais à ce sujet-là, je voudrais aussi euh, mentionner la, la difficulté qu'on va avoir à mettre au point euh, des vaccins contre des espèces de tiques comme Ixodes ricinus qui sont capables de se gorger sur plusieurs hôtes différents euh, parce qu'on va évidemment pas vacciner l'ensemble des hôtes et notamment les hôtes sauvages quand il s'agit d'oiseaux, de rongeurs dans la même s'il y a eu des essais de vaccination de, de faune sauvage pour d'autres pathologies qui, qui ont pu fonctionner. Hein. Mais euh, l'avantage du vaccin contre rhipicephalus microplus, c'est qu'il s'agit d'une tique monotrope. Hein. Si vous, vous souvenez les cycles que je vous ai présentés, c'est une, une tique qui va faire l'ensemble de son cycle sur les bovins. La larve, la nymphe et l'adulte vont manger sur le même individu. Donc il suffit, entre guillemets, de vacciner les bovins et on a gagné. On baisse comme ça les populations de tiques puisque la vaccination va perturber la prise du repas sanguin et la digestion du sang. Mais sur des espèces euh, généralistes comme *Ixodes ricinus*, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, il va falloir cibler euh, des antigènes qui sont indispensables à la prise du repas sanguin, tout au début de cette prise de repas sanguin, pour bloquer euh, le repas sanguin avant toute transmission d'agents pathogènes. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui répond euh, à la question de la question précédente sur l'ARN Roland Bamou merci beaucoup on sait bien si vous pouvez même échanger vos idées, adresses e-mail comme ça vous pourriez discuter ensemble de ce projet de vos projets de recherche peut-être euh, on a encore une, deux questions euh, une question de Noël Christian Malaka euh, alors je suis pas sûre de complètement la comprendre qu'est-ce qui est l'origine de la sous-représentation génomique de la population d'éthique est-ce parce qu'elle véhicule plusieurs pathogènes à la fois Parce que dans ce cas de figure, il faut la métagénomique avec sa complexité. Je suis un petit peu embêté, je vous avoue que je ne comprends pas bien la question moi non plus. Je ne si sais la pas si vous voulez la dire euh... oralement. Parce... Ouais, je suis désolé, je... vous... Noël, si vous voulez nous rejoindre, on va peut-être vous. Je ne sais pas ce que, par, ce que vous entendez par sous-représentation génétique. Une discussion autorisée, je ne sais pas. Oui, vous pouvez prendre la parole, Noël, déjà, si vous voulez expliciter votre question. Est-ce que c'est si je... la sous-représentation bien... des pathogènes ou des tiques Alors, je ne sais pas. Est-ce que j'ai la possibilité pas, de les voir, moi, les questions Je ne sais pas comment... Euh, oui, normalement, dans le Q&R, euh, à droite de l'écran... Vous devez voir un petit bouton qui s'appelle Q&R, question-réponse. Il y a deux en rouge qui s'affichent, il y a encore deux questions. D'accord, j'ai trouvé. Donc, vous voyez la question de Noël. Oui, je ne vois pas ce que vous entendez par sous-représentation génomique de la population d'éthique. Bon. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour Noël. Moi. Oui, justement, euh, parce que vous parlez de, de, du génome entier euh, à ce jour, juste d'une espèce qui a, été, euh, qui a été mise en place. Donc oui. pour laquelle j'ai demandé, est-ce que c'est est, 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 l'origine de... D'accord. Ouais, ouais. D'accord, pardon, je n'avais pas compris. Euh, en fait, euh, oui, à l'heure actuelle, comme je vous le disais, on ne possède, le, le génome n'est séquencé que pour une seule espèce de tique qui est Ixodes capularis, hein, qui est un peu la cousine américaine d'Ixodes ricinus qu'on a en, en Europe, et euh, qui est le seul gé génome séquencé à noter qu'on a à notre disposition dans les banques de données. Alors, la raison de ça, c'est que les tiques ont des génomes qui sont très, très, très gros, qui sont très compliqués euh, à séquencer. Euh, avec beaucoup de séquences répétées, beaucoup de pseudogènes. Et euh, c'est pour ça que ce sont des, des gros projets qui n'ont pas été réalisés à l'heure actuelle. Hein. Donc évidemment, ça coûte cher. C'est difficile à faire. Et très clairement, euh, depuis un, un certain temps, euh, les tics correspondent à des vecteurs qui sont un petit peu sous-étudiés euh, par rapport aux moustiques, par exemple. Et donc, euh, voilà, les projets en... Mais il y a un projet de séquençage d'Ixodestresinus qui est en cours. En France. Et après, il y a peut-être des projets de séquençage d'autres espèces de tigres dont je ne suis pas au courant, qui existent peut-être ailleurs dans le monde, sans que, sans que je le sache. Mais en fait, la, la raison pour laquelle on n'a que Exodes aujourd'hui, c'est la difficulté de séquencer ces génomes qui sont très, très gros et qui sont très compliqués à séquencer. Merci. Euh, alors, j'avais encore une question qui était dans… Oui, c'est clair pour vous, Noël Oui, justement, parce que euh, la question que je me pose, si on pense, par exemple, aux candidats médicaments et autres, je pense que euh, passer par… Euh, si on maîtrise d'abord euh, le génome de l'espèce, c'est facile d'avoir des candidats médicaments. Par exemple, oui. bon, comme… Oui, je ne peux que partager cette réflexion. Hein. Tout est plus facile à partir du moment où on a le, on a le génome. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et c est, c est, ça nous limite beaucoup pour un certain nombre de choses de ne pas avoir le génome. C'est tout à fait vrai. Après, on a quand même des données de transcriptomique, par exemple, hein, dans les banques de données sur lesquelles on peut s'appuyer pour un certain nombre de choses. OK. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Alors, j'ai une autre question de René Zakia. Est-ce que le microbiote entérique influence la compétence vectorielle des tiques Existe-t-il des taxons ou symbiontes qui seraient négativement associés à la compétence vectorielle Tout à fait, c'est une très bonne question. Euh, il y a de plus en plus de travaux qui sont réalisés sur le microbiome euh, euh, digestif et autres euh, des tiques, hein, parce qu'il y a aussi un microbiome dans les glandes salivaires. Il y a... et, euh, et... Franchement, quand on perturbe ce microbiome euh, en utilisant tout simplement des antibiotiques, hein, quand on détruit le microbiome de tic en utilisant des antibiotiques, on s'aperçoit que suivant l'agent pathogène, on va avoir un effet inverse, d'une augmentation de la transmission ou alors d'une baisse de la transmission. Mais euh, très clairement, ces deux exemples montrent avec certitude que le microbiome a une importance sur la, la, la compétence vectorielle d'éthique pour les différents agents pathogènes. Et là, on est vraiment au début de ce genre d'études, hein, de, euh, on s'y intéresse que depuis euh, très récemment, et on est surtout là au stade descriptif hein, de, de, de décrire le microbiome d'éthique, et ce qui est très complexe, c'est que ce microbiome est très variable, il va être différent suivant les espèces de d'éthique bien sûr, mais aussi suivant les stades de tiques, la larve, la nymphe et l'adulte ne vont pas avoir les mêmes microbiomes, il va varier en fonction de la, de la situation géographique, pour une même espèce de tique, hein. si on prend des Ixodes ricinus de Suède ou, du, euh, ou de France, elles ne vont pas avoir le même microbiome, donc ça dépend de l'environnement, ça va dépendre aussi de l'origine du repas sanguin euh, des stades précédents, donc c'est assez compliqué, parce que c'est très variable, mais il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la question, et et la réponse à votre question est définitivement oui. Oui, oui, le microbiome a un impact indéniable sur la, la compétence vectorielle d'éthique. Merci beaucoup pour elle. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions actuellement. Il y a donc euh, M. Tijani qui a partagé son mail. Si éventuellement M. Roland Bamou euh, souhaite discuter avec lui sur les projet avec des... comment collecter l'ARN des, des virus et les, le papier buvard. Euh, et je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Je remercie surtout Sarah Bonnet pour sa présence avec nous aujourd'hui. Donc le webinaire sera disponible sur YouTube prochainement dans quelques jours. Et par ailleurs, euh, donc on avait 136 personnes présentes avec nous aujourd'hui. Et le prochain webinaire de l'enseignement aura lieu le 23 novembre à 14h et sera proposé par Christine Rouziou qui vous parlera du HIV, 40 ans de recherche et de lutte. Donc je vous rappelle que nous commémorons cette année les 40 ans de la découverte du HIV euh, qui a valu le prix Nobel à Françoise Barissine aussi et qui a donc un, aussi un un Symposium sur ce sujet à l'institut Pasteur. Je pense que vous pourrez retrouver ça en ligne, mais donc nous nous organisons aussi pour cet anniversaire le 23 novembre, donc à 14 heures, un webinaire et nous rediffusons aussi notre MOOC sur euh, HIV Science. Et ça me fait penser que nous avons également en ce moment d'ouvert le MOOC sur euh, les maladies vectorielles. Donc vous pouvez suivre, euh, nous allons vous poster le lien dans le chat tout de suite voilà merci beaucoup à tous et à toutes merci encore Sarah Bonnet un grand merci à vous merci merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée à tous au revoir <music>